Test son, est-ce que vous nous Ouais, entendez les test gars? son. A priori, ça devrait être bon. S'il y a quelqu'un sur le chat, les gars, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez, comme ça on va pouvoir commencer la Putain, c'est beau, partie. quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah putain, j'ai pas mis le score. Un petit là-bas, là. Manolo 0, Benji 0. Ouais, mais il faut que je lance le truc. Il est Parfait, ils là. nous entendent. On nous Top. entend? Oh, c'est génial. Allez, on va se mettre sur la gueule, les mecs. Vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a 2 heures devant nous. On va aller tout droit. Ça va bien avec. Alors, on a une partie à faire en 2 heures. Mais ça tombe bien, on a des gros. Ça ne veut pas dire que ça prend pas beaucoup de Y a temps, pas par de contre. gros ici. Oh. Alors, petite On nous partie. entend? Ouais, Ouais, on nous ouais. entend. Apparemment, on nous a dit que oui. Parfait, Marcus, il dit. Donc, IK contre SMC, nouveau codex. Et j'ai trouvé Tu kiffant de ressortir la Triskull. Ouais. Je sais pas absolument Moi, je pas savais pas ce que du tout ce c'était. que Et c'est. vas-y, joue Triskull. Je dis, ok. Les Là, gars, je suis arrivé, il y a trois Lords of j'ai lu Skull. le codex SMC hier soir, hein, Ouais. entre minuit et 2 heures du matin, pour faire la liste, parce que initialement je devais jouer BA, mais Non. bon, il y a des gens qui Non, sont à L1, qui ont des réputations maintenant ici, ah, je vais et qui jouer m'ont dit, Yuka! ah, Je vais jouer BA, Yuka! tu vas me tuer en 2 tours, Mais non, mais tu me dis, je te dis, moi je viens de je faire risque de plaisir, je joue perdre ma Yuka. place, tout Ah, ça. ouais, bien sûr, ouais. De quelle place tu parles? Parce que j'ai pas. Maintenant, je suis un peu une Ah, star, je suis un pro player sur certaines putain, scènes, je mais joue en ce L1, mec, tout ça, alors. donc bon, Qu'est-ce que t'aimes faire du bruit, t'as alors? pas le droit de jouer BA. Alors, moi, je joue un lanceur. Je vais jouer deux Zelverine, deux Warglaive. Je vais jouer un errant qui a l'announcement qui fait qu'une fois dans la game, il peut faire comme la Kalidus. Il peut partir et revenir. Et je vais jouer Camis Rex ici. Plus, ah, je l'ai oublié, un petit Vindicaire qui est là, qui se mettra ici parce que les fenêtres elles sont ouvertes. Hein, on est d'accord en haut Oui, là. j'ai fait une connerie, Je vais c'est te faire ça. juste. J'ai inversé les deux. On peut pas l'ouvrir. J'espère Et que non, tu il n'y t'en a pas de rappelles. fenêtre, il n'y a pas de fenêtre là. Ah, il n'y a pas de fenêtre Non, là? non, non, il n'y a Ah, pas il de faut que je fenêtre. me mette ailleurs alors. S'il n'y a pas de fenêtre, eh ben il se mettra. Il te déglinguera d'ici. De toute façon, il sert à rien. C'est sur les petits où tu n'as pas de fenêtre à l'étage. Et là, il y a des fenêtres alors. Non? Je me rappelle Non, c'est jamais. sur les petits où il y a des Petit, il y a des fenêtres à fenêtres à l'étage. l'étage. Voilà. Ouais, il peut se En mettre français, là. c'est. Il Voilà. peut se mettre là. Mais pour l'instant, il va démarrer ici. De toute façon, il est en opérative, donc. Il est en opérative. Mais bon, tu peux être. C'est 12, hein. Tu peux vite être à 12. Ok, c'est parti. Moi, je suis bon. Ok, alors moi je vous raconte. Alors. Ah ouais, il faut pas faire les frottis. Donc je joue les trois Lords of Skull, ils sont équipés pareil. Je sais même pas combien ça de PV et tout ce machin. Beaucoup. 24 PV quand même. Hein. 5 plus 1 vue. Donc au niveau de l'armement, ils ont la Gatling qui tire 12 fois, sustain hit, force 8, PA moins 2, dégâts 2. Et après ils ont le petit tir. Enfin le petit tir. Le tir qui tire à 18. D6 tirs de force 14, PA moins 4, dégâts D6 plus 2. Donc quand même anti-char. J'ai deux Predators, un de chaque, dont un full laser, l'autre canon d'assaut et laser. Quatre unités de cultistes, dont deux qui sont en réserve. Deux Warp Smith. Alors il y en a un, celui-ci, qui est non peint là, qui est à cet endroit-là. Il est juste à côté de celui-ci là. Alors lui, lorsque je fais un contrat et que je des PV sur un Dark Pact, je prends une mortelle de plus. Par contre, la figurine ciblée, elle a la full reroll pour toucher. Et le deuxième War Smith qui est ici, lui, à 12 pas, il peut dire qu'une figurine, véhicule, machine démon, machin truc, a Feel No Pain à 6. Fort. Voilà. Et comme détachement, j'ai pris le détachement Warp Smith, je sais pas trop quoi. Donc il y a un contrat en plus quand on fait le Dark Pact. Donc le Dark Pact, on le fait tout de suite maintenant, comparé à contrairement à l'index, donc on peut prendre les mortels tout de suite. Par contre, donc soit on gagne l'Étalite, soit on gagne System Hit 1. Et quand on fait le contrat, on a un malus de 1 lorsqu'on fait son Dark Pact, donc on a tendance à prendre plus de mortels dans la gueule. Par contre, on gagne un plus 1 pour blesser au tir ou un plus 2 attaque au corps à corps. C'est violent quand Voilà. même. Et donc du coup, celui-ci de Warp Smith, si je prends un des mortels, ben j'en prends une de plus, mais par contre, je peux reroll pour toucher. Voilà. Donc si je prends pas de mortel, ben tant mieux, mais je peux reroll pour toucher quand même. Oui, vous savez tout. Le scénario, c'est alors c'est une table Solo.
Solo Fek, sa table numéro 2, et le scénario, tu nous as dit, c'est... C'est le numéro, c'est, on joue Priority Target, Chilling Rain, Crucible of Battle, c'est le scénario qui s'appelle J, Mission J. Donc du coup, on score 10 points maximum en primaire. Au niveau des secondaires, on a pris tous les deux tactiques. Quand on sait pas, on prend tactique. Chilling Rain, bon, il n'y a pas de, de truc supplémentaire. Ouais. Donc on en profite parce que dans 15 jours, ça va changer. Ça va changer, hein. Et puis voilà. Donc on n'a pas trop le temps de vous parler de ce qui va changer justement dans 15 jours, les gars. On y va parce qu'on est un petit peu pressé. Donc le scoring, je l'ai mis, j'ai mis un truc. Ouais. À la One Again, il y a Belzébuth qui est censé m'en faire un bientôt, là. Bientôt, il devrait arriver. Parce que l'ancien, truc de scoring que j'avais n'existe plus. Donc, j'en ai trouvé un peu à la mort mal nœud. Donc, voilà, j'essaierai de le faire en temps réel. Okay. En temps réel, mais c'est pas évident. Voilà. On y va? Savoir qui commence? Allez. Allez. Tac, le problème. Moi, j'ai tiré là, j'ai fait deux. Allez, moi, je fais un magnifique 3. Oh, allez, je commence. Il commence. On y va. Et un PC. Donc, un PC chacun. Poup, poup. Je te tire tes secondaires. Yes. Alors, je t'ai tiré. Je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Je t'ai tiré Secure No Man's Land, Capture Ennemi Outpost. C'est traditionnel, le Capture Ennemi Outpost. Ouais, Secure No Man's Land, il faut deux dans le No Man's Land. Ça, c'est bien. Allez. Eh ben, écoute, il n'y a pas trop le choix. On va ce tour va être rapide. C'est la bagarre, les gars, là. C'est la bagarre. Ah, on est là pour se battre, hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de d'abord tirer. C'est lequel, Canis Rex, tu m'as dit? Ici. Allez, on va tout mettre dessus. Hein. Allez, Canis Rex, il va tout prendre dans la gueule. Si j'ai un maître qui veut bien fonctionner. Non, pas de problème. On va ouvrir la boîte militaire, la boîte de mun, et en avant. Tu vois, il va fonctionner. C'est celui de secours. Donc le prédateur, ça bouge de combien ce machin? Ça bouge 10. 8, 10. 10. Alors 10, on peut se mettre là. Putain, on va se faire tirer dessus au canon laser. Tac. Par contre, j'ai pas arrivé à en prendre deux d'objectifs. Ça me paraît compliqué. Faut aller au milieu, ouais. Faut aller au milieu, j'ai rien prévu pour y aller. J'ai été con dans mon déploiement, j'aurais dû mettre une unité ici. Une unité là, on s'en fout, vas-y, on s'en fout, on change. C'est logique que tu mettes une unité devant, ça fait un cordon. On allait un peu vite. Oui, ça fait un cordon et tout, c'est normal. Donc, hop, le cordon il est là, donc ça bouge de 5, 6. 6, je pense. 6. Il faut faire une petite advance. Petite advance. Allez. Ouais, 8, alors 8, est-ce que ça devrait suffire à partir de là? Il suffit de mettre un pied dessus. Hein. Yes, allez. Paf, donc ça vient ici, ça va faire son petit cordon. Je suis désolé les gars, on va la jouer très très vite, parce qu'on est un peu pris dans le temps. Parce qu'on a fait, juste avant la partie, on a fait une interview de Bungie, hein, dans son rôle de capitaine de 9e âge. Mais bon, il y a un peu de la diarrhée verbale quand même. De la diarrhée verbale? Non, c'est pas ça. Bah, tu m'as interrompu plein de fois, en fait, donc, bon. Ah, c'est vrai. Celui-ci. Alors, à 18, j'y serai jamais, évidemment. Quoique, celui-là, il faut que je l'avance plus. Et, donc, ça bouge de 8. 8, ça me mène ici. Pile poil. Tac. Et est-ce que je me retrouve à 18? Non. Je vais être trop loin. Mais tant pis. Ok. Oui, phase de commandement. Celui-ci, il aura un Fino Pain à 6. Ouais. Grâce à lui. Ouais. Donc lui, je vais l'amener à côté, puis on verra ce qu'il advient. Alors celui-ci, pour qu'il te voie, il faut qu'il mette un pied dans la ruine. Et s'il met un pied dans la ruine, il voit ici éventuellement le petit là-bas. Donc lui, il va faire une translation de 8, comme ça, donc ça vient dans l'angle, ta-ta-ta-ta-ta-ta, pouf, comme ça, je peux quand même te voir. Là, tu me vois pas. Avec ça, le cul, là. Ça, c'est bloqué. Hein. Non, mais là, comme ça. Ah, par là, pardon, excuse-moi. Ici, pour voir le petit, bon, il va falloir qu'on avance un tout petit peu. Donc on va faire 5 et 3, donc 5. Ouais, parce que ça a des gros culs, donc il faut quand même penser que à chaque fois qu'on fait des trucs latéraux, bah ça compte. Hein. Donc ça va faire 6, 7, plein de 8. Gros sur la table, vous avez des choses à compenser ou quoi? On n'avait juste pas beaucoup de temps pour jouer, en fait. Exactement. Et là où c'est kiffant, hein. Et celui-ci, par contre, du coup, je vais pas pouvoir tirer avec lui. Je vais pas pouvoir tirer avec lui, c'est un petit peu dommage. Donc ça bouge de 10, si je viens là, je vais rien voir.
priori, ça me paraît compliqué. Est-ce qu'il y a une ligne de vue là? Ça me paraît compliqué quand même. Dis-moi s'il y a une ligne de vue là entre les deux, entre ça et ça. Entre quoi et quoi? Entre les deux angles de décor. C'est pour le véhicule qui est derrière là. Ah. Ouais, je pense, là, tu vois, là. Ouais, allez. Alors, on va venir ici. Tac. Donc, ça, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je suis bloqué à 8. Allez, pouf. On va faire les Dark Pacts maintenant. Les Dark Pacts. Alors, c'est à chaque fois que tu actives une unité. Ouais. Alors, on commence par qui? Alors, lui, il est full laser. On va commencer par les gros, parce que les gros, c'est le plus rigolo. Alors. On va commencer par celui-ci. Ouais. Alors celui-ci, c'est justement celui-ci qui a des bonus, éventuellement. Je vais pas te faire grand-chose en fait. Hein. Je vais pas te faire grand-chose. J'hésite à changer mon fusil d'épaule à tirer sur les alvérins. Non, on a dit qu'on faisait sur le gros. Comme ça, on va tester. On va voir ce que ça sur fait. Canis Rex. Ouais, sur Canis Rex. Allez. Alors, le Dark Pact, c'est un test de morale. Donc, j'ai moins un parce que je utilise mon contrat. Mmh. Mon contrat me permettrait d'avoir un plus un pour blesser. D'accord? Donc, il a 6 en commandement. Donc, il faut que je fasse 7 au maximum. Mmh. Non, 6, c'est ça. Ouais. Non, il faut que je fasse plus de 7. Bah, la 6, donc t'as moins 1, donc c'est sur du 5. En fait, il faut non, que pardon, je... c'est, tu montes à... Il faut faire moins. Pour la réussir, il faut faire plus. Faire plus, ouais. Donc, ça. Il faut donc, que tu je fasse à 7. Donc, je monte à 7. C'est ça, pardon. Voilà, c'est ça. Et donc, déjà, on fait le Dark Pact. Tac. Donc, c'est réussi. Donc, tu prends donc, pas de PV. Je prends pas de PV. Et donc, du coup, je vais avoir full reroll pour toucher et lethal hit avec lui. C'est ça. OK. Et le contrat, lui, comme il est réussi, j'aurai aussi plus un pour blesser. OK. Donc, j'ai... Lethal hit, full reroll pour toucher, okay. Et plus un pour blesser. Okay. Donc, moi, je vais payer un CP, je vais me mettre l'invue à 4+. Allez, ça va. Donc, t'as plus de CP. Non. Tu es mal. Mais j'ai une invue à 4+. J'ai une invue à 4+. Alors, il a 12 tirs. Allez. Qui vont toucher sur du 3. Ouais. Les 6 blesses auto. Yes, ça touche sur du 3. Je relance tout ou pas. Statistiquement parlant, j'ai fait un joli jet quand même. Pourquoi tu veux relancer? Tu peux relancer? Oui, un full. Ah, il a reroll hit, tu m'as dit. Oh, ouais. Reroll hit. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, il est beau ton jet de la connerie. Ouais, je pense aussi. Allez, je relance que les deux qui sont loupés. Ok, allez. Donc, du coup, c'est force 8. Je te blesse sur du 5, plus 1. Parce que machin. Force 8, non, j'ai rendu, rendu 12, ouais, pardon. Donc, sur du 5. Ouais. Donc, du coup, plus 1 pour blesser, je te blesse à 4. Ouais, à 4. Hop, hop. Donc ça t'en fait 6 en tout. 6, vas-y. 6 PA-2. Si tu veux. Ouais, et dégâts. PA-2, dégâts 2. Ah, c'est que PA-2. Ah ouais, donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien en fait. Alors, on enlève-le, ouais, ouais. Regarde. Oui, pardon. C'est ça, je mettrai peut-être après pour les canons laser. Mais alors... C'est uniquement si je mets un. C'est si j'utilise un stratagème. Dégâts 2, on a dit un. Dégâts 2. Ok. Bon, si je suis à 4+, on va en faire déjà 2. Je prends 2 PV, enfin j'ai 2 fils no pain. Ouais. Ouais. On va pour l'instant encaisser. Bon, tes stats. Donc j'en ai raté 3, donc ça fait, tiens, laisse-moi, ça fait 6 fils no pain à 6. J'en ai ici une, donc je prends 5 PV. Ok. Il en a 22, il me semble. Ouais, je te l'ai dit, ça va être long. Hein. Donc 22 moins 5. Il en reste 17, monsieur. Ok. Maintenant, on va faire le Predator. Allez, vas-y. Tu mets ton PC. Il est en full laser. Full laser. C'est PA-3, c'est ça? Yes. PA-3, je suis à couvert. PA-2, ça me fait une 5. Ouais, je vais le mettre, parce que en plus de laser, ils font mal aux fesses quand même. Allez, vas-y, c'est bon. Je le remets quand même, finalement. Alors, je le déglingue vite, ce laser. Hein. C'est combien de dégâts? C'est un laser... Sur les côtés, il y a deux lasers. Donc yes. Deux tirs, et il en a peut-être encore un au-dessus, c'est ça? C'est ça. Donc, trois lasers. Allez. Il fait Dark Pact ou pas? Est-ce qu'il fait un Dark Pact? Ouais, il va en faire un. Avec le contrat aussi. Sur du 7. Non. Donc, je prends. C'était un 1. Ouais, un PV. Donc, 1.
Donc avec le contrat, non, il a moins dans le contrat, mais ça ne met pas plus. Non, t'as un truc qui met plus. Le plus, c'était sur lui. Ah, ok. Voilà. Si t'avais raté, t'as un coup. Là, j'ai plus un. Donc du coup, je vais prendre Sustanit ou Létalit. J'ai plus un pour blesser. Il est force 9. Tu places à 4. Sustanit ou Létalit. Je prends Létalit. Ben oui, tu baisses à 4, t'as pas de reroll. Ah donc, putain, et puis 8 et Sustanit. Donc les 2-6 que je t'ai fait pour toucher, vas-y, il fallait que je t'en fasse 2 de plus. Vas-y, 2 de plus. Donc il fallait que je te fasse du 4 plus. Donc t'en avais rien du tout. Okay. Voilà. Et non, lui maintenant, il touche. Et donc lui, il touche. Il prend quoi, Sustan ou Létal? Il prend Létal. Vas-y. Et le reroll pour blesser, il est en vert. Ok. Voilà. Bon, ben une Létal. Voilà. Une save à 4 plus du coup. Voici. Ok. Tout ça pour ça. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Lui, on a dit qu'il me voyait, vas-y. Bah, il va te tirer dessus aussi, hein. Ouais. Tant qu'à faire. Alors, il fait un Dark Pact aussi. Ouais. À 7. C'est réussi. Aussi. 2, 4, 8. Donc, lui, il prend l'étalite aussi. Mmh. Parce qu'il est déjà sustain hit. Alors, il y a un 6. Un 6. Donc, ça fait... Là, il n'y a pas de reroll. Il est sustain hit, donc il y a une de plus. Et c'est... Lui, il a plus un blessé aussi. Et oui, puisqu'il a réussi son contrat. Okay. Le Dark Pack, ça te met plus un blessé. Alors, le... En fait, c'est le contrat. Le contrat. Le contrat, c'est plus un blessé. Okay. Et ça donne plus un au Dark Pact. Okay. Donc, tu as plus de chances de prendre des dégâts. Donc, c'est sur du 4. Ah, c'est pas terrible. Donc, tu as une de plus. C'est dégâts 2 aussi, on a dit. Yes. Non, pardon, on va faire une, on va faire, donc ça c'est réussi pour l'instant, ouais, j'ai raté la table, donc pour l'instant j'en ai raté 3, ça fait 6, c'est bon, j'en ai raté 6, ça fait 6 fin au pain, enfin, j'en ai raté 3, ça fait 6 fin au pain, ça fait 6 PV, écoute, il tombe, hein. Ça fait 11, en tout. Tu m'en as mis 11 en tout, 5 il m'en reste 11. C'est ça. Il m'en reste 11, c'est ça. Et ouais, bah tu m'as dit ça va pas aller vite, tu vois. Bah, de tout, il est mort. Si laser avait fait un truc, à la rigueur, pourquoi pas. Alors celui-ci, alors ouais. Lui, pareil, il a 12 pas. Non, on va commencer par les deux lasers et l'autocanon. Alors l'autocanon, on a dit que c'était combien? 4 tirs. Hein. Mm-hmm. Là, je te prends 4 tirs orange pour l'autocanon. Et les deux lasers, je vais les mettre en vert. Dark Pact, tant qu'à faire. Hop. Donc c'est réussi, 8. Et donc lui, il va prendre sur les petits, il est force 9, tendu 9. Donc je te blesse déjà. Il n'y a pas de sustain hit, létalite ou sustain hit. Je vais prendre un sustain hit pour changer, pour devoir. Ouais. Ouais, j'ai bien fait, il n'y en a pas, évidemment. C'est de la force, c'est là-bas. Hein. Non, je regarde juste si je mets donc, c'est de la force 9 et de la force 7, je crois. Non, 9, 9 les deux, je crois. J'en ai du 10. Donc sur du 5. Sur du 5. Et plus encore blessé, donc sur du 4. Donc, ça c'est les lasers. Et ça c'est pas le laser. PA-1, PA-3. Donc là il n'y a pas de PA, puisque je suis à couvert. Yep. Donc je suis à 3, c'est bon. Et ça c'est PA. PA-3. Donc moins 2. Donc je suis à. J'ai un vu, de toute façon, à 4. Enfin à 5, pardon. J'en rate une. Combien de dégâts? Dégâts, c'est des 6 plus 1. Ah mais c'est les lasers là-bas au ouais, fond. Donc 2. Deux, 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 deux fin open. 2 PV. Il m'en reste 10. C'est bien que ce soit mes jets de dés. Bon, ça va pour l'instant. Et celui-ci, il va faire son Dark Pact aussi. À 7, toujours. C'est réussi. Tu réussis tous tes Dark Pact. Ouais, non, celui-là, je l'ai pas réussi. 1, 2, 3, 4, 5 unités. C'est normal. C'est fluff. Tout est normal. Donc lui, il va prendre le létalite. Il a déjà sustain hit. Alors, il y a un 6. Ça, ça ne touche pas. Il y a un autre 6. Et ça va te blesser. Donc, j'en rajoute 2. 1, 2. Et ça va te blesser sur du 4. Et il y en a 2 de plus. Voilà. Ça, c'est... PA-2, dégâts 2. PA-2, donc PA-1. Donc, sur du 4. Donc, sur du 4. Et c'est dégâts 2. Pourri tes dés. T'as qu'à prendre les tiens, je t'ai dit. Oui. Je t'ai dit de prendre les tiens.
6, j'ai fait un 6, donc je prends 3 et 3, 6, c'est un 7 PV, il m'en reste 3. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Ok. Fin de ton tour ? Je défausse capture. Donc, du coup, tu défausses capture, hop, t'as plus capture, tu marques 5 points de sécure. Contrôle 2 dans le monde stand, c'est fait. Ok. Début de mon tour, je gagne un PC, tu gagnes un PC. Je vais chercher à boire pendant que tu fais. Allez, vas-y, je vais tirer, je tire Overwhelming Force et Radonial. Bon, ben on va y aller. Je vais donner le Bondsman. Ici, je vais donner Advanced Tier. Sur lui, il peut venir se mettre là, tirer comme ça, je pense. Et là-bas, je vais mettre Advanced Charge. Donc, le lanceur, il donne Advanced Charge à 12 ici. Et le errant, il donne Advanced Tier ici. Donc, j'advance là, je tire avec ça. Advanced Tier sur ça. Lui, il va aller faire un rideau là pour l'empêcher de passer. Après, il y a un monde où il me tue au tir et en fait, il vient me choper. Donc, c'est un peu naze. Advanced Tier, on peut se mettre là. Et on peut tirer là. Un peu nul aussi. Lui, il est un peu mort. Il est un peu mort où on le backup. Advance. Il tire. Je pourrais venir là, te tirer dessus, te tuer. Ça va être dur hein, de tuer tous ces trucs. Sur qui on met Advance et tire? On va le mettre ici. On verra. Ok, donc là-bas on a Advance et charge. On va courir avec le Warglaive. On court de 1. Ça va être dur ça. On court de 1, on a dit. Vu que je suis une banane, je me rappelle pas de combien ça bouge. On regarde, il bouge de 12, donc ça va faire 13. 13. 13, ça va être un peu short pour aller péter ce truc, là. 13. On sera ici. On charge à 4. Ça, c'est bon, on va prendre. Ici, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Je pense qu'on pourrait bouger. 10. On peut bouger à 12 ici. Ici, on peut mettre là. On peut avoir une ligne de vue ici. Ça, c'est cool. On va tout mettre dans lui, hein. Et alors, est-ce qu'on va le tuer? C'est pas gagné, ça, quand même. Ici, je pense qu'il vaut mieux reculer avec Pepito. Parce qu'il va bientôt crever. Il a bien pris cher, Canis Rex, quand même. Il a bien pris cher. Oh, c'est rien, ça. C'est rien? C'est rien du tout. Ici. Donc, j'ai mis Advance sur charge sur lui. J'ai fait une advance de 1. Donc, je suis là, j'ai une charge à 4. Ici, j'ai mis advance et tir sur lui. Lui, je dis pas de bêtises. Il peut faire 10 ici. C'est chaud, hein? Hein? C'est chaud, non? Ouais, il fait très chaud. Je vais mettre la clim. 4 comme ça. Si j'y arrive. Ok. Donc, en gros, le plan, c'est ça, plus ça, plus ça qui va rentrer ici. On va tirer là-dedans. Donc le plan, je sais pas si c'est réalisable, mais c'est de tuer un Lord of Skull et de charger le truc en autocanon, le Predator, de le tuer, de nettoyer la petite unité au milieu. Du coup, si je fais ça, j'aurais fait Aéradonial et je sais plus quel était l'autre. J'ai quoi d'autre? Overwhelming Force, j'aurais fait aussi. Donc, je fais mes 10 points. Lui, il est là. On va partir du principe que j'ai tué lui. Donc lui, il est là. Je tank lui qui va me charger. Et lui, on va aller le move block. Mais on va pas quand trop quand tu block. Dis lui, précise un peu parce que. Ouais, je montre avec, gens, moi, je montre avec ma réglette, ça fait avec mon maître. Ça en fait, le plan, c'est. Donc lui, il s'est téléporté là. Enfin, il a débordé 12 ici pour tirer là-bas. Ici, j'avais fait l'advent, je vais pouvoir charger ça. Canis Rex, il s'est reculé parce qu'il tire loin. Ah non, il tire pas si loin, Canis Rex. Je crois qu'il tire qu'à 24. Je suis désolé, c'est une armée vraiment que je maîtrise pas bien. Les gars, on joue Pacific Rim, mais c'est la première fois qu'on les joue. Et je vous dis, moi, j'ai lu le Codex KO hier soir. Il tire qu'à 24 en fait. Il faut que je reste à 24.
des fois, tu vois. Alors PCM, non, on n'a strictement rien à compenser, c'est parce qu'on a l'habitude. Donc on dit gros pour vous, mais pour nous, c'est moyen, quoi. Ouais. C'est même petit. Normal, quoi. Voilà. Là, je suis là, lui, il est rentré ici. Je vais faire un advance avec le vindicaire. Un advance de 3, 9. Parce qu'en fait, j'avais complètement zappé que ben, j'avais personne sur mon objet. Parce que j'ai pas l'habitude de jouer pas beaucoup de figurines. Non, mais là on va s'accorder plein de trucs, les gars. C'est 9. C'est vraiment. Ok. Si on est sur l'objet. Un petit même, tu pouvais, non, il n'y a pas de souci. Donc ça va là, ça va charger là. Il faut pas rater les charges. Faut que je te tue des bois là, parce que toi, tu m'en tues quand même. Hein. Bah, déjà, tu es presque deux figurines. J'en ai que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Je t'ai pris 11 PV, c'est tout. Ça va. Hein. Lui, il peut se tirer là. Ça tire à... Tu me permets de reprendre un mouvement? Allez, vas-y, reprends. Parce qu'effectivement, j'ai besoin que celui-ci soit un peu plus avancé. Moi, je suis tout généreux, moi. Je le sais. Hein. Mais parce que là, on s'accorde plein de trucs, les gars, comme je vous l'ai dit. C'est notre première partie en Ika et en Pacific Rim, tout simplement. Reste à savoir qui est le gentil et qui est le méchant. Qui est les méchantes bébêtes, allez, on va dire que c'est les démons, c'est moi. Et toi, t'es le gentil impérial. Il faut que tu gardes un pied dans la ruine. Ouais, je garde un pied dans la ruine, j'ai une ligne de vue là. Ouais, alors la règle, les gars, pour les Titanics, c'est que dès le moment qu'on a un pied dans la ruine, on voit au travers de la ruine, même si on n'est pas entièrement dans la ruine, contrairement aux autres figurines, hein, n'oubliez pas. Ok, on va faire ça. Allez. On va tirer. Allez, go. Allez, on va commencer par El Patrones, qui s'appelle Canis Rex. Allez, il tire sur qui? Il tire sur le sur gros, le là, qui est devant moi. D'accord. Donc on va y aller avec sa grosse arme. Il fait des 6 tirs. Des 6 tirs. Je fais 6, c'est très bien. Ça y est, ça chasse. Ça commence bien. Donc lui, il est sustain hit 1 et il sustain sur du 5+. Ok. Ok, de toute façon, on y va. Il touche à 2 de base. On y va. Ah, 28-6, non, même il pas. Fait... J'ai pas fait un seul 6, par contre, j'ai fait 2-5, donc je gagne une attaque. Je suis force 14. Deux attaques, non? J'avais fait un as. Ah oui, d'accord. T'as force 14, t'as. J'ai endu. 11 ou 12, quoi. J'ai endu 13. Endu 13. Endu 13, monsieur. Ouais. Ben, ça va être sur du 3+, parce qu'on est comme ça, nous. C'est sur du 3+. J'ai droit à une reroll, donc j'en rerollerai un. J'ai droit à un strata gratos que j'ai pas utilisé encore. Donc je t'avais pas une reroll pour toucher aussi? Ben, ah oui, j'ai droit à une reroll pour toucher. Ah oui, merci. Donc là, je le reroll, merci. Ah bah ben, tiens, ça me fait gagner une attaque de plus. Donc 2 de plus, du coup. Donc encore une. C'est ça. Il est fort ce jeu. J'ai droit à une reroll et j'ai droit à un strata gratos de reroll. D'accord? Ouais. Je jette tout pour qu'on gagne du temps, mais on s'est compris, toi et moi. Donc j'ai droit à une reroll normale et mon strata de reroll battle tactique. Ben voilà. Donc il y a tout ça. À PA-3, c'est dégâts 4, monsieur. PA-3, donc ça va être sur mon invu. T'es à couvert, donc c'est que PA-2, mais bon, je pense c'est que pareil. C'est l'invu. C'est quoi. Sur l'invu, ou ouais. La 5, c'est pareil. Ouais. On prend les mêmes dés. On va voir. Allez, ils sont chauds, il faut faire des 5, sinon c'est 4 PV à chaque fois. Aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai réussi que 3. T'as réussi 3, et t'en prends 5. 5 fois 4, 20. Ça a l'air d'être la stat. 20, et j'ai un Feel No Pain à 6. On a dit. 4. Ouais. Et 4. Ah, ça va pas durer 2 heures, ça va durer 12, une heure, je pense. 16. Et 4. Donc, Feel No Pain à 6. Ah, mais j'en réussis qu'un, hein. 2. Oh là, 2. Ouf. 18 PV. 18 PV, il m'en reste plus que 6. Je te tire avec mon autre arme. 4 tirs. C'est à moi ça, hein. Tu dis non, c'est à moi. Et tous mes dés qui étaient là, ils sont passés où? Ah putain. Ah, tu viens de me voler plein de dés là. J'ai peut-être mélangé. Non. Ah ouais. Zagreb, ETC 2018. C'est à moi tout ça, c'est à moi tous ces trucs là. Ah mais ça c'est pas à toi ça par contre, ouais, j'ai tout mélangé. Mais si, c'est à moi, j'en avais des comme ça aussi. Elle m'a piqué tous mes dés le coquin. Putain, non, ça c'est sûr, c'est pas à toi. Allez, vas-y ça. Allez, ça, mais touche plus mes dés. Hein. Ouais, attends, c'est les d'Akazon. Ah, c'est moi, tu m'en as donné plein. Ah, c'est les miens, ils en ont mon sachet. Ouais, je t'en redonne d'autres. Alors. Allez, ça va, je t'en donnerai. Parce que j'avais sorti plein de Dagazone. Bon, allez, vole-moi des dés. Oh, le voleur de dés, le type. Allez, stop. Alors, 4 dés. Touche à 2. Sustain sur du 5. Donc, je sustain 3 fois. Que 3 fois. Ça, c'est à toi, tu vois. Moi, il n'y a rien de marqué dessus. Je veux pas que tu fouilles rien écrit dessus. Et c'est force 6. Donc, c'est sur du 6. C'est sur du 6. Il y a un 6 ici. Ça, c'est à toi aussi. C'est à combien? C'est P à 0, les gars. Oh là là! Petit Feel No Pain.
Encore un PV. Combien il en reste à ce 5. C'est dur. Oh, c'est dur. Oh là, ah, c'est ça va, ça va. Autocanon. L'autre, il pleurait là. Oh, tu m'as enlevé 11 PV, tu m'as enlevé le double. Oh, et il flatte 4. Mais moi, je t'ai enlevé 11 PV avec toute l'armée. Toi, ouais, tu t'es fait une ligne, là. Tiens, je t'enlève un... Oh là 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 là. L'Elverine, il te tire dessus. En plus, avec, je touche à 2. Avec un autocanon. Vas-y. T'es prêt? Oui, vas-y. Il en a 2, donc ça fait 8 tirs. Il te touche dessus, sort dessus à 3+. Il a un reroll pour toucher. Il a raté la table, mais on l'a raté. Et du coup, il a le droit, il te force 9, il te blesse à 5. Et il a le droit à une reroll blessée. À 5, il a le droit à une reroll blessée. Ça en fait qu'une. C'est PA-1. Donc tu as un couvert. Un couvert, ouais. Donc tu as save à 3. C'est flat 3 par contre. C'est bon. C'est bon. Il a un Melpa qui tire à 12, donc il tire pas. Lui, il a Advance, il peut pas tirer. Mm-hmm. On va pas le laisser à 5 PV quand même. Si. Donc Pépito, il va y aller. Avec quoi? Ah, il a toutes ses armes. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Non, c'est un gros, c'est un errant. Il a un multifuseur, un grand fuseur, ça tire à 24 ça. Putain, j'ai pas regardé les portées. Putain, ça tire quand même 4. Bah oui. Putain, c'est maintenant que tu me le dis. T'es un peu loin quand même. Ah ouais, c'est maintenant. Ouais, t'es à 36 là-bas. 24, 24 c'est là. Bah oui. Là, il fallait que j'avance. Et je crois que même si je me mets là, j'y arrive pas en fait. Je sais pas. 24? Si, 24 c'est bon. Non, même pas, j'y arrive pas. T'arrives sur lui, mais pas sur lui. 24, je suis là. Bon, ben, je vais dans l'os. Ben, du coup, je vais me mettre là. Et je vais tirer. Tu veux pas tirer sur lui? Non, mais je vais tirer sur l'autre. Allez. Là, j'avais pas pensé à ça, que je pouvais pas lui tirer dessus. C'est pas bien joué, ça. C'est pas l'habitude, tu vois. Là, j'y suis pour rien. Hein. Ah, tu y es pour rien, mais j'avais quand même. Moi, je t'ai redonné plein de tirs en plus, là. J'aurais jamais dû dire. Allez. Regarde. Bravo. Micro ça... Benji a de l'écho. Mon Manu, arrête de te coller à Benji. Alors, le micro de Benji a de l'écho. Manu, trop proche de moi, peut-être. Je pense que c'est pas ça. C'est quoi? Tu parles trop fort? Je pense que c'est... Bon, du coup, je vais faire Thermal Canon là-bas en face. Attends. Laisse-moi 2 secondes. Il faut que je regarde ça. Putain, je suis con. Il tire qu'à 24 pas, ce connard. Est-ce que j'ai une fenêtre qui s'est ouverte ici? Ouais. Alors, attends. Parce que... Hop. Je vois pas la souris. Où est-ce qu'elle est la souris? Elle est là. Ouais. Ça, il faut que je le ramène. Hop, on va faire ça. Normalement, ça devrait être mieux le son. On devrait plus l'avoir en double. Ouais, bah dites-nous, les gars. En fait, c'est pas que je suis proche de lui, c'est qu'il crie. Il crie, il est tellement content. Il fait un tir, il enlève un Lord of Skull. Donc, je sais pas, il a une érection, ça. Ça, allez, ça va. Crier. Ça va, écoute, on va tirer sur celui du milieu là-bas. Allez, vas-y. Alors, 2D, 3 tirs, t'es prêt? Yes. Ah, oh, double 6 tirs. Oh. Putain, j'aurais dû me mettre à portée, je l'aurais tué là. Et par contre, j'ai un Storm Rocket qui tire à 48 qui va quand même aller sur lui là-bas. Allez, vas-y. Donc, 2D, 3 tirs, on a dit, ça touche à 3. Ça touche à 3. J'ai droit à une reroll. On va faire là. Ok. Et je suis force 12, donc c'est soit du 5 parce que t'as rendu 13, mon coquin. T'as touché combien là? J'ai touché 5 fois avec un reroll. Avec 2-2? T'as fait 2-2. Ah, la reroll, oui. C'est 6-6. C'est son du 5, on a dit. Il n'y en a qu'une, j'ai droit à une reroll. Il n'y en a qu'une. Ça fait une à PA-4, dégâts D6, monsieur. Bah, sur la 5, hein. Non. Ah, dégâts D6. 4 PV. Ouais. Ça va être long, hein. Ouais, ça va être long. Moi, je trouve que c'est bien, hein. Et du coup, il y a la roquette, machin, truc qui sort, ça tire à 48 pas, 3 tirs dans l'autre. Yes. Je touche 2 fois, et je suis force 8, donc c'est sur du 5. Je blesse 2 fois, c'est plus à moins 2, dégâts D6, monsieur. Sans déconner. Ouais. Storm. Toute la chatte. Storm speed roquette. La première save. Réussi. Raté. Non. C'est PA combien tu m'as dit? PA moins 2. Ah oui, non. C'est raté. Est-ce qu'on PC reroll, monsieur? Oui. Là, c'est D6. Ah, je suis obligé. Hein. Ben ouais. PC reroll. C'est toujours raté. Et mon gars, comme d'habitude. Mais pourquoi je m'emmerde, moi, à faire des relances? Allez, attends. J'en ai raté 2. Donc c'est 2D6. 13, 5 PV. La première, 4. Bah, t'es mort. Hein. Ah non, t'as fini nos peines. 6. Allez, 6 fini nos peines. Putain, j'aurais dû faire une roll. Pas trop de 6. Mais... Ah, t'inquiète pas, je vais pas trop en faire. Hein. Ben, il est mort. Pile poil. Oh là là. Tu exploses. N'explose pas.
Je suis presque déçu, tu vois. Je suis presque déçu, d'habitude, ils explosent. J'ai bien fait de mettre cette arme qui tire à 48 pas. Allez. Force 8, tout au talent. Ok. Ça va se charger là-dedans, donc on va pas tirer. On met un petit coup de lance-flamme, tu vas m'enlever des mecs, plus loin. Ouais, mais quand même, il faut que je les tue tous. Si je les tue pas, après j'ai un tank shock gratos. Non, ça va aller. Il me reste ces tirs ici. Ça va tirer là-dedans. Donc ça fait 8 tirs qui touchent à 3. J'ai droit à une reroll. Force 9, c'est sur du 5. J'ai droit à une reroll. Ça fait 2. T'es à moins 1, dégâts 3. Il y a un couvert. Ouais, je suis sur du 3. Voilà, une qui passe. Dégâts 3. Donc 3 PV. Bon, bien, c'est DR. Ici. La lance là-bas. Donc c'est la petite lance du Warglaive. Tu sais, toi, non? La petite lance du Warglaive, c'est 2 tirs. Touche à 3. J'ai le droit à ma reroll. Ça fait 2. Force 12 sur du 5. J'ai le droit à une reroll. Ouais. C'est PA moins 4, dégâts D6. Et c'est dégâts D6. Et ça fera 2 PV. Enfin, 2 Finopain. Lui aussi, il a un Finopain à 6. Ouais. C'est quoi, c'est le gros, là? Ouais, le gros là-bas. Ah, tous, ils ont tous. Ah, tous non, c'était que celui-là. Que celui-là. Ouais, donc 2 PV, là. C'est parce que c'est toi, tu l'as. Non, comme moi, j'ai dit, si toi, tu l'as, pourquoi je l'ai pas, moi? Là, je l'ai. Ok, c'est l'heure des charges. Lui, il va charger là. C'est une charge à 4. C'est 12, monsieur. Ici. Tout à la chatte. Et voir combien j'ai de PC, moi. Tout au talent de la chatte. J'ai qu'un PC. Bam, tank choc. Bam, tank choc. Allez. Alors, combien c'est un Warglaive? Il a force combien? Force 10. Donc 10 dés. Tendu. J'ai tendu 9, je crois, avec ça. Si tendu 9, je prends 2 de plus. Je vais vérifier, mais normalement, c'est tendu 9, les Predators, non? Non, c'est tendu 10. Tendu 10? Ouais. Ok, donc j'en ai que 10. Sur du 5, c'est de la mortelle. Et ben, 1, 2, 3, 4. Oh, ben bouh. 4 PV. Il a pris 5 PV. On va charger ici. Yes. Parce que je suis à 5. J'ai bien fait de pas tirer, je crois. Ouais, c'est bon. Donc. Tank Shock, allez. Tank Shock gratos. J'ai une endu. Lui, il a 22. Ça devrait aller. Il a force 20, je crois. C'est Rastus. Hit. Mêlée. Force 20. 5. Je pense qu'avec les attaques et tout, on peut les enlever, non? Ça fait 10. T'es limité à 6. Hein? T'es limité à 6. En tant que choc. Ouais. C'est capé à 6, mortel. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, elles y sont. 6. Ok. Cac. Donc là, je vais m'activer. Je bouge de 3. Je vais mettre ici. On va taper. Donc il va faire 10 attaques. 4. 8 et 2, 10 attaques, il touche à 2, il a droit à une reroll, full touche, et il force 10, donc il laisse à 2, j'imagine. Yes. Et il a droit à une reroll, ça fait 10 morts. Allez. Du coup, il va revenir de 3 vers le centre, il va faire un truc comme ça. On est bien là. Super. L'autre? Yes. C'est fort les IK! L'autre, melee weapon, 8 attaques, j'entends encore pleurer, oh non, on joue pas TBA, parce que tour 2 c'est fini, etc. Il y a de l'écho. Joue un truc. Il y a de l'écho là encore, les gars? Il y a de l'écho. Putain, alors ça, je sais pas pourquoi. Attends, je vais regarder. Écho. C'est pas normal qu'il y ait de l'écho. Ça veut dire qu'il y avait de l'écho aussi quand tout à l'heure quand on a fait ton. Ah, quand on a fait le truc. Ouais. Donc c'est possible que ce soit mort. Pourtant, en son, j'ai que ça. J'ai que la cravate. Hein. Pourtant, nous, on s'entendait bien quand on a fait les tests son. Ouais.
Lundi, sature le micro, je pense qu'on entend dans ton micro aussi, Manu. C'est parce que je parle trop fort. Peut-être il faut que je mette le micro plus bas. Non. C'est mes gros organes qui font ça, je pense. Pourtant, j'ai pas de filtre. Est-ce que ça va mieux, les gars, là? Lorsque, c'est peut-être quand on parle tous les deux en même temps. Ouais, je parle trop fort, le micro, il est trop haut, je pense. Est-ce que lorsqu'on est comme ça... Faut changer soit le signal pour un con, soit réduire la sensibilité chez Manu. Le problème, c'est que les micro-cravates, ils marchent par paire. Donc, est-ce que ça, je peux rien faire sur l'un et pas sur l'autre. C'est, à chaque fois, c'est pareil. Et là, il y a toujours l'écho, les gars, ou pas? Maintenant que je l'ai baissé. Non. Il n'y a plus d'écho. Il n'y a plus d'écho, là. Il était trop haut, je pense. Peut-être. Et coup, ouais. Vu qu'on a des grosses voix, on gueule, on dirait des... on dirait des dindes. Ouais, on est désolé. Parler fort pour voir. Bah, là, justement... on parle normalement. C'est comment quand on parle normalement? On va éviter de parler trop fort, justement. Je vais le baisser, le mien, le micro aussi. Voilà. Ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air je pense bon. Que j'étais trop haut, tu vois. Ouais. C'est mon problème, ça. On a fait les cagoles. C'est vrai qu'on a fait les cagoles. J'ai été là, j'ai 4 attaques. Vas-y. C'est pas beaucoup, 4 attaques. Hein. Oh, je bébouille. Touche à 3. Attends, j'ai pas ouais, j'aime trop te chauffer, c'est génial. Je viens juste pour ça, en fait. 3. Et après. Après, tu chattes pas, c'est bon. Et j'ai force 10. C'est un de mes dés que t'avais, là. Bah, je te le rendrai après lequel? Ouais, celui-là. Mais ouais. Celui-là, j'en ai moi des dés comme ça aussi. Non, ça c'est la GSA. FTA. C'est ah, la FTA. Non, c'est toi alors. Je l'ai volé à Malik. Non, ça va. Et 10, on est à 10, force 10 en 10, c'est du 4+. J'ai droit à des rerolls parce que dans mon quartier c'est comme ça, ça fait 2. Toi quand tu fais des rerolls, ça marche. Fais à moins 3, moi, j'en dégâts ai. 3. Fais à moins 3, donc c'est sur du 6. Sur du 6, faut faire 2-6. Hop, il y a 6. Et le deuxième, il est là. Ah, je me suis fait trahir par un dé de la Dakazone. Allez, vole-le moi, ça va. Dégâts 3. T'as pris 3 PV, fallait pas la rater. Donc j'en ai pris 8, c'est ça. Oh, je les papy, il nous a dit, putain. Oh là là, il nous respecte pas. Et j'en ai combien de PV avec ça? 11. Donc tu m'en as enlevé 6. Non, 8. Et j'ai dit que j'en avais combien? 11, il m'en reste 3. Ouais, c'est ça, il fallait, si tu l'as raté, c'est bon. Le 6 salvateur. Eh ben... Ciao, Bob. Du coup, je vais pas faire ouvrir. Je peux riposter, ouais. Parce que je vais te tuer, là. Putain. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça commet d'attaque. Ça, ça m'a coûté des points. 3. Ça me coûte des points, ça. 3 qui coûte à 6. Qui touche à 6. Voilà, c'est fait. Ok. Du coup, j'ai fait aéradonial. J'ai tout cassé au milieu. Et j'ai fait overwhelming. J'ai détruit juste les cultistes. Et oh, t'as juste tué un Lord of Skull. J'en ai que 3 dans ma liste et tout est basé dessus. Et toi, sur une phase de tir, tu m'en enlèves un. Et moi, sur une phase de tir, je t'en enlève pas, hein. Moi, j'ai mis beaucoup de tirs. Et moi, non, tu sais. Mais bon, bonhomme, il vaut presque 500 points. Quelle salope, ça veut dire. Non, non, mais ça, c'est ignoble, le PA-4, dégâts ouais. 4. Toi, tu vas 2 par 2. Moi, je suis dégâts 4. Oui, je peux te dire, il n'a pas envie de mourir. Hein. Allez, fin de alors, mon tour. Fin de mon tour. Début de mon tour. Alors, attends, ouais, début de ton tour, je gagne un PC, tu gagnes un PC. T'es à 2. Tu vas scorer priority target, t'as un objet, c'est tout, parce que là, j'ai plus que toi. Je sais 8 moi, donc tu gagnes un objet. Et on va te tirer, mon cher Manu, Cleanse et Break It Down. Ah, Break It Down, c'est cadeau ça. Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Faut hein. Casser des petits là. Faut que je casse des petits, mais le problème c'est que si je m'occupe pas du gros, ça va être compliqué. Le gros du milieu là. Eh ouais. Il est force 20. Hein. Je sais. Il met des coups d'épaule au Lord of Skull. Je sais, je sais. Je la kiffe trop, cette figurine. Donc déjà, phase de commandement, je vais rendre. On est fou l'impression 3D mini quand même, là. Tu l'as pas dit d'habitude, tu le dis tout le temps. Là, t'es un peu... Non, j'en parle pas à chaque fois. Je récupère un PV. Ouais. Je vais lui donner plus un pour toucher, que j'ai oublié tout à l'heure, d'ailleurs, ouais. Sur celui qui tirait, là. Et celui-ci, c'est celui qui peut donner des bonus sur c'est le contrat. Celui qui donne le Finopen à 6, lui. Non? C'est celui-ci. Ah, pardon. Et lui, c'est celui qui donne les bonus. Tac tac tac. Toi, t'es toujours full imprimé. C'est full imprimé, mon armée. C'est beau. C'est beau quand même. Et pas cher. Ça va. Bah, c'est moins cher que Games. Mais voilà, c'est ça qu'on après, sur les véhicules, c'est pas là où je suis le plus compétitif. C'est surtout ouais. Sur les. Bah, par exemple, chez Games, c'est quoi? C'est 110 euros, je crois, un ICA. Ouais, je dois pas sortir beaucoup moins cher. Sur lui, je sors beaucoup moins cher parce que c'est de la résine. Ouais. Mais sur le plastique, ça coûte. La résine, c'est exponentiel. Plus tu grossis les figurines, plus ça coûte cher. Tu vois? Mais là, moi, où je suis vraiment très compétitif, c'est sur les figurines. C'est les infanteries. Les infanteries, eux, ils vont te vendre un perso
Un Chaos Lord, ils vont te le vendre 30 balles et chez moi, il sera 12 euros en fait, tu vois. Mais là, sur ça, je suis pas hyper compétitif. Tu peux trouver avec des moins 20 et tout, tu peux acheter chez des revendeurs. Là où je suis compétitif, c'est sur du Forge World. Parce qu'ils se gaffent sur Forge World. La résine, c'est cher en fait. Je vais faire une petite advance. De 6. C'est pas mal ça. Advance à 6. On va venir se mettre là. Juste dans l'angle. On est dans l'angle. Tac. Lui, bah, il va pas bouger comme ça, il va essayer de tirer quand même. Et il va mourir. J'ai pas trop le choix. Lui, il va utiliser un PC comme ça, il va pouvoir passer au travers du mur. Oh le coquin alors. Il est fort, hein. Alors, un PC, boum, il passe à travers le mur. Tac, comme ça, il vient comme ça. Allez, vas-y. Tu vas voir que j'ai pas pouvoir. Oui, ça en fait. Passe, on s'en fout, vas-y, mets-le comme tu veux, ça passe. Allez, on va le mettre comme voilà. Ça, mais normalement, ça passe pas en fait. On s'en fout. Je pense que c'est pas si fort que ça, le tricolore dans celui-là. Ouais, je pense aussi. Ouais. En fait, ta lance, elle compte pas, donc ouais, je pouvais le mettre là, comme ça. Ouais, bon, on va dire qu'il est comme ça. Tiens, on met mon bonhomme à l'envers, si tu veux. Ouais. Tu peux faire ? Ouais. T'as l'impression de me dominer, c'est ça ? Comme ça, ça me permet de passer, en fait. Hein ? Là, t'as l'impression que tu me domines. Tac ! C'est fou, en fait, ça veut dire voilà. Que si j'avais pas peeling, enfin conso, je restais, tu peux ouais, je pouvais pas passer, en fait. Tu peux charger à travers les murs ou tu peux juste faire les normales ? Je peux faire les moves et les charges. Ah, donc tu vas plus charger, quand même. Ouais. Donc comme ça, il va pouvoir tirer là. Est-ce que je peux tirer là, d'ailleurs? Un gramme de résine forgeoire depuis... T'es au cas qu'avec un véhicule, je peux te tirer quand même dessus ou pas? Ouais, mais t'as moins un. Mais tu peux ouais, tirer, c'est pas gênant, j'ai plus un. Canis rec, tu peux... Ici. Alors ici, j'ai plus le choix maintenant. Je suis obligé d'y aller. Hein. Ça bouge de 10. Non, il faut en grand pour le triple ordre. C'est vrai que si t'avais en grand... Ouais, mais... Ouais. Si tu jouais en grand, là, il reviendrait facilement. Ouais, mais ouais, Lord of Skull, les gars, j'ai fait la liste hier soir après une première lecture du. Et je me suis dit, voilà. Si je sortais BA, c'est vrai que, pour rester honnête, BA, ça marche bien contre les véhicules, ouais, etc. Même, en fait, donc ça aurait été. Je pense qu'il y a match, plus match que ce que tu penses. Ah ouais. Mais bon. Après, ça aurait été peut-être. Mais de toute façon, je savais qu'avec le reporting qu'on a fait d'abord, ouais, on n'aurait pas beaucoup de temps. Donc je me suis dit, au moins le Pacific ouais, Rim. Moi, c'est balance. Ma deuxième game en ICA. Donc ouais, j'ai pas de vision sur le match-up en fait. Donc quand tu m'as dit BA, je sais que le BA, ça fracasse les véhicules. Je me suis dit, bon, si tu veux, mais on va rien pour s'amuser. Mais là, maintenant, vu comme ça vient de se passer, j'ai l'impression que le match, il est vraiment facilement pour moi. Donc je suis un peu embêté. J'ai oublié celui-ci. Celui-ci, il mettait le Fino Pain sur lui. Ouais. Et après, il faut qu'il fasse une advance aussi. Tiens, 6, hop. Non, merde. C'est bien. 8. Bon, après, tu sais, j'ai toujours pareil. J'ai pas beaucoup de blancs sur la table. Hein. Je suis en tombe 2-3 d'un coup. C'est celui-là qui a plus un pour toucher. Ok. Ouais, mais tu vois, là, j'ai peut-être enlevé le lanceur, mais ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud. Ça va dépendre de tes 4+, en fait. Si tu passes tes 4+, ça va être compliqué. Ouais. Phase de tir. Je ne fais pas rentrer mes herbes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Phase de tir. Ici, on va tirer là-dedans. Attends, on a tiré quoi en secondaire? Tu te rappelles? Je ne sais même plus. Ouais, mais mon but. Cleanse et bring it down. Il faut que tu cleanse quand même. Cleanse avec quoi? Et ils sont où tes cordons? Mes cordons, il y en a un qui est là et les deux autres, ils sont en réserve. Okay, bon, donc je peux éventuellement venir ici, faire un cleanse. Tu peux, j'ai pas le droit. Tu peux pas rentrer à j'ai pas le droit. Donc, que dalle. Allez. Ici, phase de tir. Alors, lui, tirons. Est-ce que je prends le risque de faire un dark pact? Et j'ai pas le choix. Dark pact, et donc, ça me donnerait plus un pour blesser avec le contrat. Et je prendrais le lethal hit ou le sustain hit. Je prendrais le lethal hit. Allez. Déjà, Dark Pact. Il est réussi. Donc déjà, je prends pas de mortel, c'est déjà pas si mal. Donc j'ai dit, là c'est que du laser. Donc, 3 tirs de laser, le violet, il est en reroll dans le cac. Ah, tu tires dans le cac. Donc tu touches à 4, du coup. comment ça s'appelle? Le violet, c'est celui qui reroll pour blesser. Okay. D'accord? Okay. Donc, je suis en Lethal Hit. Ok. Super, un qui touche. Qui blesse sur du... C'est un canon. Sa force 9. C'est un lance canon. Ouais. C'est force 12.
Ouais, t'as raison, c'est force 12. C'est du 3+. Tout à l'heure, je te les ai fait en force 9. Non, mais tu tirais sur ça, c'est pas non, non, non. Ouais. Donc, je te blesse à 3 et plus 1, je te blesse à 2. Ouais. Okay. Heureusement. Tu m'as blessé une fois. Donc, PA-3. Un vu à 5. Voilà. Forcément. Je vais faire un 5. Ici. Alors, ici, on va mettre tous les tirs là-dessus. On va faire un Dark Pact d'abord. À 7, réussi. Tu mets tout dans le lanceur. Je mets tout là-dedans. Ah, tu veux tuer le petit je vais aller au CAC. Je crois que tu le tues une fois au CAC. Et c'est possible. Il a 25 PV. Hein. Ouais, mais j'ai. Pas de suite. Je peux monter à 7 attaques et ouais. Dégâts 8. Ok. Donc c'est jouable. C'est jouable. Je vais tenter. Ouais, si tu joues one shot. Si tu es sûr de one shot au CAC. Non, je suis pas sûr de le one shot, mais celui-là, il faut que je le tue en tout cas. Et comme tu as réussi ta save ouais. Et que tu n'as pas voulu mourir, ouais. À un moment donné, il faut mieux que je fasse des choses. Tu m'aurais pas tué avec un tir de laser. Mais j'aurais pu t'entamer. J'ai 12 PV. Si je t'entame, ouais. Je peux. Oui, okay, okay, okay. Mais là, je peux pas. Okay. Pour essayer de le tuer maintenant, je suis bien obligé de tout mettre. Eh bien, et oui. Allez, le Dark Pact, il réussit. Donc, je te fais les tirs d'autocanon. Il a un autocanon, hein. Ouais, allez, et lui là, il touche à 2 et il reroll pour toucher. Mais il touche à 3 parce qu'il tire dans un corps à corps. Ouais. Allez. Donc touche à 3, reroll. Touche à 3 et il est. J'ai dit létalite. C'est force 8. Ouais, ça va être du létalite. Puisqu'il est déjà sustain hit. Donc les 6. C'est du sustain hit. Donc je touche à 3. Mm-hmm. Je le garde. Bah, sustain. Attends. Je reroll. Ok. Donc là, maintenant, tu rajoutes 3. Tu en rajoutes 3. Bah, rajoute-en 3. Sustain. Mais ça, létal, mais ça, oui, donc ça blesse auto, ça. Ah, c'est létal et sustain. Oui. Ça a les deux. C'est les deux. Ah, pardon. Létal et sustain. Donc, du coup, ça va te blesser sur du 4. Mmh. Puisque j'ai plus 1. Et on rajoute ça. Voilà, tout ça, c'est PA-2, dégâts 2. Donc, PA-2, dégâts 2. Donc, sur ta PA-2, 5. Je suis à 5. Voilà. Dégâts 2. Pourquoi tu reprends mes dés quand tu lances les saves? Pourquoi? Reprends tes dés. Là. Arrête de toucher les miens. Tu me portes la scomoune. Ah, mais arrête de croire à tout ce genre de truc. Il a un petit hôtel où il met des dés avec des cierges et tout. Alors, première salle de Finopain. Je prends 4 PV. C'est pas possible. Attends. Deuxième salle de Finopain. Ah, deux salles, d'accord. Je prends 3 PV. Ouais, donc, j'ai pris 7 PV. Il m'en reste 5, monsieur. Et maintenant, le gros tir. Desti tir. On aura 4. Qui te touche donc à 3. Vas-y. C'est reroll, heureusement. Putain, il y a des accords de merde. Il y a 3 touches. C'est les. Non, 3 touches. C'est PA-4. Il faut que je te blesse maintenant, c'est ça. C'est force 14, donc je te blesse à 2. Donc t'en as 2. PA-4. Je prends mes dés, ne me les vole pas. Ouais. C'est PA-4, dégâts. Des 6 plus 2. Ah ouais. C'est un vu à 5. La dernière, un vu à 5. Ah, c'était un 5. Putain, il a retrouvé. Ben voilà, Manu, il est simple ce jeu. Faut chater. On en parlait à midi, tu te rappelles? Ouais. Quand je te disais à midi, ça me gavait. Ici, allez. Autocanon laser dans le petit qui est là-bas. Pourquoi plus un blessé pour le Predator? Ah, je sais pas, moi je lui fais confiance, hein, les gars. Je connais pas du tout les règles de son armée. Hein. Mais ça, c'est le. C'est le détachement. Oui, mais t'as. Ah, plus le détachement, il met plus un blessé. Oui. Ouais. C'est le détachement qui joue. C'est, quand tu... c'est le contrat du détachement. Quand il rate son dark. Quand il réussit son Dark Pact. Ah non. Dès qu'il fait un Dark Pact. Voilà. Il gagne plus un pour blesser. C'est ça. Donc là-bas, le Predator, il va tirer sur ton petit Helminger, là. Donc. Le Predator, il va tirer ici. Il y a 4 tirs d'autocanon, 2 tirs de laser. Je vais faire un Dark Pact quand même, à 7. Réussi. Et là, je l'ai réussi, un Dark Pact. Ah, t'en as raté un depuis le début de la guerre. Ouais, bah, fais chier. J'aimerais bien faire des jeux de dés comme ça un peu. Ou tes saves. J'aimerais bien réussir tes saves aussi. Allez, plus sérieusement, ça touche sur du 3. Et ça va être l'étalite ou sustanite. C'est que pour les machines démons, en fait, le plus un blessé. Les prédateurs, ils l'ont pas. Alors, vous avez dit qu'on n'avait pas lu les règles. Hein. Ouais, non, mais putain, les règles, les gars. Je... Donc, c'est que les gros, en fait. T'es bon. Pas machine des noms. Donc, j'ai pas le plus 1 pour blesser, alors. Allez. Avec ça, non. Non. Ça, c'est force 12.
Ah, c'est un 1. Et ça, ça ne blesse pas. 1. Et ça, c'est force. Ça, c'est force 12, ça. Ça, c'est force 9. Donc ça, c'est raté. Et ça, c'est force 12. Non, force 9. Oui, t'as raison. T'en as une. Voilà. Une seule. Voilà. Ah, je trouvais qu'il me tuait facilement aussi. Bon, le prédateur, c'est fini. Le bordel, là. Ouais. Il va tirer sur le petit tir. Enfin, le tir à 18, il va tirer sur le gros, là. Ouais. Et le tir à 12, il va tirer sur le même. Donc, tout sur le gros. Dark Pact. Alors, Dark Pact. Il est loupé. Raté. Donc, tu prends... Je prends 3 mortels en tout, parce qu'on prend une de c'est plus. Des 3. Ouais, bah 2. Non, non, là... Ouais, non, sur le contrat, c'est plus 1 pour... c'est que celui-ci qui prend plus de mortels. Que, ouais. Donc, il en prend 2. Donc, il en a perdu 5 et 2, ça fait 7. Ok. Et t'as pris quoi comme système? Et donc lui, il prend... lui, il prend l'étal, puisqu'il a déjà le sustain. L'étal. Donc ça fait 1, 2, 3, ils sont là. Et donc lui, c'est un démon. Lui, il a plus 1 pour toucher, il touche à 2. Lui, c'est démon. Donc il touche à 2, ça touchera pas. T'as ça non plus. Ça, c'est du létal hit. C'est du létal hit, sustain hit. Ça, le 2, par contre, ça fait rien. Donc, hop, ça fait 8 pour blesser. Donc, ça va te blesser sur force 8. Donc, ça te blesse sur du 5 plus 1 pour blesser, c'est sur du 4. Mmh. Tac, tac, tac. Donc, ça t'en fait ça, plus ça. 5. Ouais, et touche plus un MD, ça fait 9. Ok. 9. Si tu me voles pas les miens, moi, prends tes dépipés, là. 5 et 4. Qu'on voit qu'ils font que des 5 et des 6. Okay. PA-2. PA-2. Dégâts. Dégâts 2. PA-2, attends, ouais, il a une 3 plus, il n'a pas une 2 plus. Hein. Je regarde quand même, on ne sait jamais. Les petits, ils ont 2, ils ont 3 plus. Non, mais c'est un gros là, tu tires sur un gros. Non, non, c'est sur le petit que je tire. Ah, tu tires pas là? Non, après. Ah, okay. La Gatling, c'est donc sur le. Ah, pardon, excuse-moi. Donc c'est sur mon invu. J'ai tout ça sur mon invu, bah, on s'en fout. S'il meurt, c'est la vie. Ils sont bien midés là, regarde. C'est souvent les Dakazones qui font des bons trucs, j'ai remarqué. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, il me reste ça. C'est dégâts 2. Sans la chatte, c'est toujours pour les enfoirés. Oh, on est d'accord, c'est ça. Dégâts 2. Ok. Donc, premier fin no pain, je prends 4 PV. Deuxième fin no pain, je prends 5 PV. Donc, j'ai pris 9 PV. Il y en a 12. Il en reste 3. Combien de tirs sur le gros? 4. Dark Pact, je l'ai fait. J'ai dit que c'était l'étalite. Donc, ça, c'est bless auto. Ça, ça touchera pas. C'est force 14, donc je te blesse à 2. Ouais. Okay, donc t'en as 2, PA-4, dégâts des 6 plus 2. Un vœu à 4. Ouais. Un vœu à 4. Oh raté. T'en as loupé une. Qu'est-ce qui se passe? J'ai PC reroll. Ouais. J'ai quand même PC moi. Je pense. Hein. J'ai un PC, mais je vais en faire d'autres. Ben, je vais. Après les trucs. Ça c'est dégâts 4. Après au corps à corps. Non, c'est dégâts des 6 plus 2. Ah ouais. Tu peux faire 8 max, au corps à corps, c'est 8. Donc je vais garder pour le corps à corps la reroll. Donc j'en ai raté une, la deuxième. Là j'ai raté deux. Oh là là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ça s'appelle les stats en fait. Voilà, ça fait 5 et 5, 10. Donc 10 PV. 25. 10 PV. 5 et 5, 10. On fait un 6. On prend 9 PV, il m'en reste 16. Oh. J'ai fini mes tirs. Ça va vite, hein? Voilà. Arrête. Là, t'as rien eu. Là-bas, je t'ai pas tué. Là, j'ai même pas réussi à te le tuer, celui-là, avec tout ce que j'ai mis dedans, quoi. Mais non. J'ai toute mon armée qui boite, quand même. Oh, arrête un peu. Bon, allez, ça va, mais d'accord. Coup. Allez, ça va. Lui, il va tirer. Il va en enlever un encore. Arrête tes conneries un peu. Allez, charge. Mia. Charge. Alors, vas-y. Ici, là-dedans. Allez, vas-y. Oh, j'y suis arrivé. Incroyable. Le tank choc. Allez, t'as plus de PC. Je suis force combien avec ça? Je pense que je te dépasse. Ouais, je suis force 16. Vas-y. Donc, voilà pourquoi je te disais que j'allais le tuer. Je savais que j'allais le tuer. Merde. Enfin, il faudrait mieux fermer ma gueule. Parce que... Lance le dé d'abord. 1, 2, 3. Allez, super. Allez, ouais, bravo. 3 finopens à 6. Oh.
Ok, j'ai pris 3 PV. 16 moins 3, il m'en reste 13. Donc, vous obligé de faire un Dark Pact. Au corps à corps. Dark Pact. Donc, à 7. Donc, celui-là, il est réussi. Donc, ça me fait plus 2 attaques. J'en ai 5 de base. Je passe à 7. Ouais. Le plus 1 pour toucher, comme donne le prêtre, c'est que au tir ou c'est aussi au cac? Le Tech Marine, c'est aussi au cac. Mais le tien, je sais pas comment il marche. J'ai quand même vérifié parce que... Le Warp Smith... Plus 1, tout, il troll. Donc il touche à 2. Allez. Touche à 2. Ça touche pas. T'as fait un pacte. Attends, le pacte. Le pacte, il faut qu'il soit... Il faut que je choisisse le pacte. Soit Sustain Hit, soit Lethal Hit. Je le prends en Lethal. Allez. Donc tu fais 2 blessures. Et après... 2. Et après, tu es Force 14. Force 14, ouais. Et t'as plus un blessé, c'est ça? Et non, c'est que au tir. Ah, c'est qu'au tir. Okay. Là, ben, c'était les plus ben, deux attaques. Plus. Donc c'est sur du 3. Donc ça t'en fait 5. 5. PA moins... On s'en fout, j'ai rien vu. PA moins 4, dégâts 8. Et c'est dégâts 8, on est d'accord? Yes. Donc dégâts 8, faut il me reste 2. 12, 13. Oh, je vais mourir. Ben, on va le faire une par une. Réussi. Réussi. Raté. On accepte pour l'instant. Là, il m'en reste 2. Raté, PC, reroll. Je ne vois plus PC. Réussi. Donc pour l'instant, je n'ai raté qu'une. J'ai raté qu'une. Ça fait 8 fin no pain. 5 et 3. 8. 8 fin no pain. Et j'ai pris 6 PV. 3, 6. Poup. J'ai plus de PC. J'ai plus de PC. C'est stat. T'as 7 attaques. Oui, mais c'est stat. C'est réussi. 6, tu dois en faire qu'un. Donc il y en a une qui passe. Tu as loupé 2. T'as loupé 3 saves sur la phase. Arrête. T'as loupé 3 saves sur la phase. Écoutez, ils regardent, ils se font leur. T'as loupé 3 saves sur la phase. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Allez, d'accord. Je te tape. Allez. Melee weapon. On va faire 5 attaques. Il me reste 7 PV, est-ce que je suis dégressif? Non, je pense. Ah ouais, je suis dégressif, c'est à partir de 8. Donc je touche plus à 2, je touche à 3. Touche à 3. J'ai droit à une reroll. Non. Et je suis force 20. Donc je te blesse à 3. Je t'en colle 2. C'est PA moins 3. J'ai droit à une reroll. J'ai droit à une reroll, merci. Je t'en mets toujours que 2. C'est PA moins 3, c'est flatulite par contre aussi. Tiens, moi j'ai pas réussi de ça, tiens. 16 PV. Moi j'en ai une à 4 plus. 16 et 3, ça fait 19. Il m'en reste 5. Ok. Allez, à toi. Fin du tour. Tu fais pas Bring, tu gardes Bring ou pas? Bon, tu peux tout enlever, c'est pas. La game est terminée là. Non, on arrête alors. Ah, vas-y, fini, on a le temps là. Donc tu le gardes ou pas? J'ai besoin que tu non, le non, 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 tu peux tout enlever. Donc enlève tout, ok. Tu gagnes un PC. Non, si, garde-le. Ah, on le garde. T'enlèves Cleans. On enlève Cleans. Celui-là, tu le gardes. Allez. Ok. Je gagne un PC. Tu gagnes un PC. Pré-outil target, j'en ai 2, donc je fais 10 points. Je tiens mes missions Tempting Target et Secure No Man's Land. Voilà. Donc tu dois me dire un des trois que je dois avoir et c'est quand même. Celui-là, tu y es déjà. T'as haussé combien toi? Ça n'a pas d'importance. Je suis haussé 8. Ok. Bon. Je vais désengager. Je dois faire un test de Battleshock. Qui est raté. Donc je ne peux pas désengager. Parce que si je désengage, je meurs. Enfin, je peux mourir, ça serait quand même vraiment con. Donc, on va devoir lui tirer dessus avec moins 1 pour le toucher. Vas-y. Ah, on n'a pas fait score à corps. Excuse-moi. On peut taper quand même là.
On va voir. Est-ce si que j'explose? J'ai 4. Ouais. Yes. Vas-y, mortel. J'ai 3. 3 mortels, j'ai 3 fines no pain, je prendrai 2 PV. Je vais quand même regarder si je te tue. Ouais, c'est bon, je serai mort. Ok, et donc moi il me reste 3 PV. C'est 26. On en est comme ça. Du coup, faut tuer le gars du milieu. Faut tuer le gars du milieu. Ici, on va bouger de 12. On va venir se mettre un pas de toi là. Te bloquer. Donc là, cette fois-ci, on peut tirer là. On peut tirer là s'il faut. Ici, on peut tirer à 12 ici. Là, tu me tues au tir, après tu vas passer. Ça te bloque quand même. C'est une charge à plus de 12. Donc je peux me mettre à plus de 12 pour pas que tu puisses me charger. Ici, donc si je suis à plus de 12, je peux pas tirer dessus. Je relance. Là, 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 là. Lui, il va venir se mettre là. Te voir ici. Lui, il va venir se mettre là. Te voir ici. Lui, il va venir là. Et alors là. Bon, effectivement, c'est les que les machines démons. Voilà, je un petit bonhomme derrière, alors je peux le tuer. Tagadi, tagada de soin de soin. Tagadi, tagada de soin de soin. Ici, ça, on n'a pas besoin de soucis. Je ne vais pas le charger, lui, par contre. Hein. Non, non, je ne peux pas le charger, il n'y a pas de soucis. On va tirer. Allez, écoute, on va démarrer d'entrée de jeu avec Canis Rex qui va tirer là-dedans. Ça devrait suffire. Il va faire son. En même temps, Canis Rex, il voit là-bas. Il y a lui et lui qui peuvent tirer, donc je vais tirer avec d'abord avec eux. Donc lui, ça fait 4 et 4, 8. 8 tirs, je touche à 4 puisque tu es au corps à corps. J'ai droit à une reroll. Donc je touche 3, 4 fois. Force 9, c'est sur du 5. J'ai droit à une reroll. Une reroll. Il n'y en a pas. Donc lui, il a tiré, il n'a rien fait. Ensuite, l'autre, il a 2 tirs de lance. Touche à 4. Le roi une reroll, rien. Il a un tir de Melta, touche à 4, toujours pas. Donc c'est raté. Lui, il peut tirer dans son cac. Si jamais, on va prendre tout ce qu'on peut prendre. Hein. Allez. Lanceur. Tir. Il a 6 tirs. Sustaini 2. Touche à 3, donc il touche à 4. Ça fait 2. Hop là. Il a le roi une reroll. Ouais, c'est Sustaini 2, donc c'est bon. Il est force 6, c'est sûr du 6. Il n'y en a pas, et le roi de reroll. Non. Ok, et allez, on continue. Canis Rex. Donc Canis Rex, c'est D6 tir, blast, bon, machin, truc et tout. Je fais 6. Ça fait 4 et 2, 6. Canis Rex, il touche à 2 de base. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Il touche à 2 de base, du coup, il touche à 3. Sustain hit 1 sur du 5+. Donc il touche à 3, mais il sustain hit ici. Donc il sustain hit. Et je droit une reroll. J'ai fait un 5, donc ça fait une de plus. Et il est force 14, c'est sur du 3+. Et j'ai droit une reroll. Ça fait tout ça. Et j'ai droit une reroll de Battle Tactique, machin truc, j'en aurais pas besoin après. Donc, Marie Roll Battle Tactique, raté. Okay. Donc, ça fait 6 à PA-3, flat 4. Il y a 3 qui passent. C'est flat 4. Donc, 12. Lui, il a le fil. C'est lui qui a le fil au pain. Non, c'est l'autre. Il explose. Ok. Ben on va tirer dans l'autre, ici avec ça. 4 et 4, 8. Je dois une reroll. Ouais. Ça c'est pas bon. Et donc ça c'était bon. Ça remplace celui qui est parti. Et du coup, on a dit que c'était sur du 5 et j'ai droit à une reroll. Une, vers moins 1, dégâts 3. C'est bon. Il a un tir de Melta qui touche pas. On va faire lui. Les deux tirs de lance. Il aura une reroll. Touche deux fois. Force 12 sur du 5.
Ils n'ont rien de reroll, rien du tout. Et le méta n'était pas porté. Et il me reste lui qui va te tirer dessus. 2 des 3 tirs. Ça fait 2 tirs. C'est la cible éligible la plus proche, oui. Donc il touche à 2. C'est un errant. Il aura une reroll. Non, et ça fait une. Qui ne blesse pas. Reroll. On dit qu'on est raté. Et après, il a les 3 tirs force 8. Il a déjà reroll. Sur du 5, rien du tout. Et je pense que c'est tout. Donc je pense que j'ai tout donné. Et je vais m'arrêter là. Je ne me rappelle plus ce que je devais faire. Du coup, je devais faire Taunting Target, c'est fait. Je devais faire Secure No Man's Land, c'est fait. J'ai fini mon tour. T3. Allez, mais secondaire. T3, tu tiens un objet. Je gagne un PC, je gagne un PC. Tu tiens un objet 5 points. Tu as gardé Bring et tu dois faire Taunting Target. Taunting Target, Taunting Target. Non, parce que tu peux rentrer avec les gars. Ah, non, bien sûr. Ici, je pense. Ouais. Ok. Allez. Là, bon, on va pas bouger. On va juste faire entrer 2 unités de cultistes. Puisqu'on était 3, je suis obligé. Les BA c'est meilleur hein. Que la triscule. Après il y a des armées qui peuvent pas pouvoir les tuer. Hein. Sûr, quand même, pas dans la méta actuelle. Dans la méta actuelle. Il y a pas mal de choses qui tuent. Bah déjà les BA, toutes tes BA, ils éclatent cette liste. Déjà ça tape moins fort que toi. Et ça encaisse moins que toi. Donc ça veut dire que tu as moins de figurines que Lika et c'est moins bon que Lika. Donc forcément, comme Lika est déjà pas terrible dans la méta, forcément, ça donne une petite indication. C'est l'ordre obscur, ils sont trop chers. Quoi. Ouais. Alors celui-ci, le par problème... Contre, alors, si tu joues des forchevines et tout, ça doit être fort avec les forchevines. Ouais. Tu as blessé sur les ectoplasmas et tout. Qu'est-ce que je voulais dire en gros, il fait 450 points aussi. Ouais. Donc ouais, les 4, ça rentre, mais je crois que tu as part 2 unités de cultistes à côté ou... Mais en plus, t'as pas le droit de mettre en grand dans cette armée. Si tu le mets, il faut avoir. Ouais, mais tu peux jouer en War Eater. En War Eater, tu peux mettre la même chose. Oui, mais t'as pas de la règle de détachement. Non, mais par contre, tu as le Field of Pain. Tu peux avoir le Field of Pain assez oui, facilement. Tu peux avoir Advanced Charge, ah, ça voilà. Et tout. T'as d'autres choses. Non, mais c'est une armée pile ou face. Tu mettras des branlés à dégâts, mais il y a des mecs qui vont t'attraper. Des mecs qui non. Tuent en grand un tour, il y en a plein des armées. Hein. Oui, donc des mecs qui tuent Lord of Skull en un tour aussi. Oui. De toute façon. Après, c'est la masse, c'est le fait qu'il y en ait 3 qui est compliqué. Mais je pensais que ça ferait un peu plus de dégâts. En fait, contre toi, ça fait pas de dégâts. J'ai 25 PV. En fait, t'en as fait beaucoup de dégâts. Il m'en reste 7 et il m'en reste 11. Tu en as mis 11 en une phase et lui, tu lui en as mis 25 moins 7. Je sais pas combien ça fait, mais tu lui en as mis alors, allez, 18. T'as mis phase 18 de tir. PV à un mec. C'est énorme. Phase de tir. Mais il en a 25. Lui, alors d'abord, lui, il peut plus rien faire. Lui, il est trop loin. Donc, au niveau des technomanceurs, c'est terminé. Lui il va quand même bouger, du coup il va peut-être pas rester là. Quoique, du coup tu peux rien lui faire. Donc, mais en fait, les prédateurs ils sont pas si bien dans la liste. Non, mais parce qu'ils ont pas le plus à blesser. J'ai sorti oui, ce que j'avais en 5 minutes. Hein, ils sont pas si bien, ils sont pas mal. Mais du coup, contre moi. Encore une fois, hier soir, c'est soit je jouais les BA, soit je faisais vite une liste à Triskull. Ouais. Ça fait un petit moment que je te parle de liste à Triskull. Je te disais, c'est pas très rigolo à ressortir, mais. Pas là, en tout cas. Faudrait que je la reteste contre de l'infanterie, des choses comme ça, peut-être que ce serait plus pertinent. Là, en tout cas, contre ta liste, ça n'avait aucun intérêt. Et après, si tu joues Triskull, mais que tu joues en grand, ça veut dire que tu joues en World Eater, t'as pas le strata pour passer à travers les murs. Hein. Aussi, ouais. Donc, t'en as un qui va bloquer ici, t'en as un qui va bloquer là. En WTC, ça vaut pas le coup. Et puis même là, en fait, je passe pas. On n'avait pas mesuré, on n'a pas fait attention, mais je passe pas, là. Là, on l'a fait pour la déconne. Ouais, mais... En fait, ça passe pas. Non, par contre, il y a match en gros plus un Lord of Skull. Hein. C'est ce que joue Harpster, il a joué beaucoup ça, de Heart of War. C'est pas mal. Allez, phase de tir. Le petit, là, il va tirer sur... Lequel est entamé? C'est celui-là, là-bas? Ben, lui, il lui reste que 3 points de vie. On va tirer sur l'autre, là-bas.
En fait, ils sont tous hyper abîmés, il n'y a que lui qui est full PV. On va tirer sur celui qui est au bout, là-bas. C'est ça, je te dis, en fait, tu te rends pas compte, parce que j'ai beaucoup de PV et j'en ai plus que toi, mais... Alors, 4 en autocannon, 2 en laser. C'est beaucoup de dégâts. Est-ce que je fais un Dark Pact? Ouais, je fais quand même un Dark Pact. Qui passe, tout juste, mais qui passe. Donc, c'est la machine là-bas. C'est donc le Predator, qui va tirer dessus en... Létalite ou Sustanite? Je sais jamais, en fait. Bon, létalite. Voilà, comme ça, il n'y a pas de 6, ça règle le problème. Il y a 6, ouais. Ça va te blesser sur du 3 et du... Alors, c'est force 9, non, donc sur du 5. Donc, ça blesse et ça blesse. Okay. Donc, tu as 2 autocannons, 1 laser, donc PA-3, PA-1. Donc, PA-1, ça ne fait pas de PA, donc c'est du 3+. Il y en a 2. Ah, il y en a 2, pardon. Voilà. Et après, le laser PA-3. Le laser PA-3. Ouais, ça arrive. Super efficace. En ça même temps. Chatte. Ah, tu réussis toutes tes saves. Là, c'est plus facile, hein. Lui. En plus, si j'en rate une pour moi. Lui, il va tirer son gros tir ici. Et son petit tir sur. Il lui reste combien de PV? Je veux pas assurer pour finir lui. Ouais, je suis peut-être. En fait, lui, une blessure, il est mort. Lui, tu peux le tuer. Et tu peux. En fait, tu peux en tuer 3 d'un coup là. Alors, Dark Pact. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ouais. Donc il aura plus un pour blesser. La Gatling dans le petit. En. Alors, je mets tout en létalite. Alors les 6 sont déjà sustain hit de base. Ça touchera pas. Donc c'est sustain hit. Il y a 2 létalites. Et c'est de la force 8, je te mets sur du 4. Donc tu en as 6, PA-2, dégâts 2. 6, PA-2, dégâts 2. On est où? On est là? Sur le petit. Ouais. On va laisser mourir, de toute façon. 6, PA-2, dégâts 2. Donc PA-1, hein, parce que je suis... Yes. Et ben j'en rate 2. Donc ça fait 4 fines no pain. Dégâts 2. 4 fines no pain, il faut que j'en réussisse 2. Très compliqué, je suis mort, est-ce que j'explose? Non. Le gros tir sur le lanceur, combien de tirs? Un seul, normal. Blesse, touche à 3, il est létal hit, donc il blesse automatiquement. Okay. T'as une save à vue. Réussi, voilà, c'est fait. Surprenant. Charge contre le petit. Ouais. J'ai réussi ma charge. Et il est mort, on gagne du temps. Hein. Ouais. Viens, tu veux pin sur le jeu ou pas? Oui, tu peux. Et ah tiens, j'ai oublié de rentrer une unité de. Vas-y, fais. De machin que je vais rentrer de ce côté-là. Violence. Du coup, tu avais gardé Bring dans l'année, ouais. Ouais. Donc, t'as tué 2. Je vais rentrer par là. 12, ça fait 7 points. Pouces. Et Tempting Target, on a 17 du mieux, tu vois. Forcément. Bon, à la fin de ton tour, je m'en vais avec lui. Là. Yes. Il s'envole. Ah, il est venu. Ils sont venus là, les coquins. Là. Ah, je vais peut-être me remettre au même endroit, en fait. Là. Et tu défausses le Tempting Target, évidemment. Et je défausse le Tempting Target. Donc, discard Tempting Target. Tu gagnes un PC, tu passes à 4 PC, je passe à 3 PC. Moi, je contrôle 1, 2, donc je fais 10. Et je vais tirer Assassinat, Extend Battle Line. Donc, Extend Battle Line, il faut que je tienne le mien, plus 1 dans le truc, ok. Il faut... Lui, il a perdu 6 PV, c'est ça? Yes. C'est ça, il a perdu 6. Donc, il faut que je tue ce truc parce que c'est ça. Donc, il lui en reste 18. C'est ce truc-là qui me tue. Lui, il peut donner Advance et Charge. Il peut donner Advance et Charge. L'autre, il faut que j'aille casser ça. Donc je vais donner Advance et Charge à lui là-bas. Donc on va Advance de 5. Donc 12 et 5, 17. Ça, c'est le nombre de PV restant. Oh, non, pardon, c'est bon. Ici, 17. Il reste 3 PV. Ok. Ici, bon. On va faire 14 pas de mouvement, donc je pense que ça peut venir là. Hein. On va charger. Oups. C'est beau, hein?
un beau combat de Titanas. Lui. Sauf que moi, j'arrive pas à te les sortir et toi tu me les sors. Mais c'est parce que tu fais pas d'efforts, ça. Moi, ouais, c'est ça. C'est toi qui fais pas d'efforts. Tu as réussi tes saves, toutes tes saves. Mais non. Quasiment toutes. Toutes celles que tu regardes. Ou pas les autres. Que je rate. En fait, tu fais énormément de dégâts. C'est juste que j'ai beaucoup de PV. Tu m'as laissé. En une activation, tu m'as mis. Là, quand tu fais du dégât 8, ouais. Tu as 5 saves. Ouais. En stat, j'en réussis 3. C'est 2,5. Tu en loupes 2. Ouais, tu fais un reroll que tu réussis. Bah, j'avais une chance sur 2. Donc en fait, tu as une chance sur 2. Tu lances 6 dés. La stat, c'est 3 et 3. Ouais. Ça peut être une stat légèrement supérieure comme tu as eu. Ça peut être une stat légèrement inférieure. Exactement. Comme tu n'as pas eu. On est dans la variance, en fait, normale, en fait. Sauf que cette variance. Ouais. C'est ce que je te disais à midi. Je ne la vois jamais pour arriver dans mon sens. Elle est toujours contre toi. Et ça me fatigue. Quand tu joues contre un Cétan et que le mec, il réussit ses saves à 4+, et quand il les loupe, il réussit ses invus, ses Final Pain à 5, et que tu es censé lui enlever 40 PV et qu'il lui en reste encore 3 à la fin, c'est pas normal. Ah! Moi, ça fait chier, je peux rentrer nulle part avec mon bonhomme. Je voulais faire un truc un peu beau et tout. Finalement, je vais le remettre là pour tirer ce truc. Quoi. Non, mais je vais ici. Tu veux des mouchoirs? Non. Ah, ça va. Ici, t'as un truc qui m'empêche de faire à 9 là? Non. Si, il y a lui, non? Non, il était à 9 là, c'est bon. Je suis largement derrière. 9. 9 ici. Je me casse vers là-bas. Pas dit que je rentre en fait. Hein. Moitié là. Là, je pense que je suis bon. Oui. Du coup, je suis sur l'objet, c'est bien. Parce que là-bas, je suis pas sûr de l'enlever. Et du coup, je te vois là. Bon, allez, on y va. C'est le barreau d'honneur. Et tu vois ce que tu dis, c'est vrai. Mais regarde, j'ai autant de PV, voire plus que toi. Mmh. Et par contre, regarde, tu m'en as enlevé 2, je t'en ai enlevé 0. Ouais, mais moi, j'ai un vu à 4. Toi, t'as un vu à 5. Une fois. Mais non, j'ai mis le CP pour avoir un vu à 4. Et lui, il a un vu à 4. Donc, j'ai un vu à 4. Et j'ai fini au pain. Et j'ai plus de PV que toi, en fait. Enfin, j'ai plus de PV que toi. Non, c'est pas vrai. Mais lui, il en a 25. Un vu à 4. Nos peines à 6. Il aurait pu mourir. Ça joue à un GD qui meurt. Il aurait pu. Mais il n'est pas. On y va. Écoute. On va tirer avec. Celui-ci, il meurt juste, le premier que tu tues. Ouais. Je réussis une save de plus, il meurt pas. Il meurt pas. Hein. Il peut tirer, il peut caquer, il peut récupérer des 3 PV. Tu vois, il peut se passer des choses. Mais tu vois, sur cette variance, moi je meurs. Et mes adversaires ne meurent pas. C'est ça qui est lourd. C'est ce que je te disais. On peut faire une cagnotte pour maintenant. Si tu veux. Dernière partie. La variance de la Queen, il t'appelle. Regarde. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais tu vois, mardi, je joue contre un Eldar. C'est pareil. J'ai 15 intercesseurs d'assaut jump pack qui chargent. Ouais. 15 dés à 4+, je mets des mortels. Mais j'ai mis 3 mortels. Et ça me retourne toute la gueule. Tout à l'heure, tu m'as mis que 3 mortels. Ben voilà. Ouais, je sais, j'ai vu. Je suis stanit sur du 5, regarde. Oui, ben je suis stanit 3 fois. Même toi, ça te fait rigoler. Et je suis force 14, donc je te blesse sur du 3. J'ai droit à une reroll parce que je suis gentil. Voilà, ben, t'as tout ça. 3 et 3, 6, 7, 8. Ben, en fait, lui tout seul, il tue toute ton armée. En fait. Ben, oui. 8 save, AP à moins 3, dégâts 4. En fait, si lui tout seul, il tue ton armée. En fait, si tu m'avais tué T1. Ouais, il est mort. Par 4, ouais. Il est mort. Ouais, il est mort. Ce qui explose. Par la game fini. Mais... Elle était finie depuis ton précédent. Oui, en fait, elle est finie T1 quand tu ne tues pas lui. En fait. Bah oui. Parce qu'en fait, lui, il arrache ton armée. C'est ça. Bah, flat 4, il est fait pour tuer tous les gros trucs du jeu. Quoi. Force 14, sustain 1. Enfin, en plus, j'ai fait 6, 5 à chaque fois sur les G. Alors, j'ai la reroll gratos. Je vais toujours stabiliser ce GD, tu vois. Hmm. Parce que si je fais un As, ben, j'ai reroll gratos. Ouais, t'as même 2 de reroll, en fait. Non, mais ça, c'est la reroll. Lui, il a droit à un strata gratuit. Ouais. Donc, si je fais nombre de tirs, As, ben, j'ai strata gratos, je reroll. Tu vois, ça stabilise un peu quand même. Mais j'ai quand même bien roulé, j'ai fait 6-6-5, je crois. Bon, les gars, je pense que. On arrête, non ? Ça allait vite, hein ? Non, mais parce que là je te tire là-dedans, c'est fini, bien sûr. C'est fini, bon, là, on s'en fout. Là, je te dis en BA, c'est pas si facile que ça. On la fera si tu veux. C'est ma deuxième game en IKA. En BA, tu pensais que ce serait vite fini, mais moi, je pense pas. Hein. Il y a largement de quoi faire, hein, parce que ça bouge quand même très vite, ça peut aller charger advance et charge, ça va quand même chercher assez rapidement. Les BA, tu vas aussi vite que les BA, si ce n'est plus.
Et moi, une unité de BA, elle te sort pas un gros IK comme ça. Hein. Et lui, avec sa 4 plus 1 vue. Lui, j'adore le balancer devant parce qu'il tank. Enfin, j'adore. Dans mon plan, c'est ça, tu balances devant parce qu'il tank en fait. Mais... C'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Moi, je pense pas que le BA il lui passe dessus On la comme ça. fera du coup. Ouais. Moi, je pensais, quand tu regardes les... à chaque fois que tu regardes sur, je regarde sur comment ça s'appelle, Best Cost Pairing, les BA, ils éclatent les IK. Hein. C'est une partie qui les éclate. Mais c'est cool à jouer. Sur une table solo comme ça, où tu as quand même facilement des tirs, je sais pas. Hein. Mais par contre, tu sais que sont vachement remontés les stats Des IK? des IK. En winrate, ils sont remontés à 50%. Ils sont remontés à 50% de winrate. C'est surprenant. Fais gaffe, t'as le fuseur là, Ouais, lui aussi, qui est pas d'ailleurs, après, fixé. il tient pas bien. Je dois pas savoir le mettre dans le bon sens. Bon, pour faire des gosses, ça va. Ouais. Bon, alors tout va bien. Je m'arrête d'ailleurs, hein, faire des gosses. Hein, T'en as quoi, 10, 17, 18? Non, non, 3, ça suffit. 3 reconnus? J'en ai 3 reconnus. Connus et reconnus. 3 connus et reconnus. Bon, Sylvain, vous avez vu les gars, j'ai fait un petit peu de. J'ai mis quelques maillots comme ça, comme les footeux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rigolo ou pas? Ça vous plaît ou pas? C'est les anciens maillots. Celui-là, c'est quand j'avais fait l'ETC avec l'équipe de France en 2008 à Modène. C'est marqué. Celui-ci, Benji, il va rigoler, mais c'est le maillot de l'équipe de France, de la seule équipe de France qui a gagné un tournoi à l'étranger. J'étais capitaine en plus, merde. Si Et c'était officiel, c'était la vraie équipe de c'était France. pendant le Covid, il y avait beaucoup de malades. Ah, c'était. Putain, c'était. Alors attends, c'était en Croatie, c'était en 2000. et ça couinait déjà à cette époque ou ça couinait pas? C'était. C'est Manolo qui couinait ou pas? C'était la même année que la Grèce, je crois. C'était 2016, un truc comme ça. Ouais, 2016, quelque chose comme ça. Ça, c'est quand j'ai fait l'ETC, le WTC avec la team Portugal. Là-bas, c'était le WTC avec la team Turque. Et là-bas, c'était un maillot d'un gars de la team Norway que j'avais joué. Bon, il m'a donné son maillot, mais autant vous dire que j'y suis jamais rentré. Quand même, on a affaire à une légende, hein, là. Non. Les gars. Et après, j'en ai d'autres, des maillots de mes anciennes équipes, etc. Mais j'avais pas d'épingle à nourrice. Donc pour l'instant, j'ai mis des pinces. Le temps que j'achète des épingles à nourrice, puis après, je pourrais en mettre un petit peu plus. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est rigolo ou pas? Moi, je trouve ça très cool. Ça casse un peu du noir uniforme qui était partout. Ouais, c'est cool. Ça donne de la vie, t'as des histoires à raconter. Tu sais bien pour toi, la nostalgie, tout ça. De toute façon, il me reste plus que ça. Mais il y en a qui me disent, oh, tiens, has-been. Je dis, c'est vrai. Mais has-been, ça veut dire que j'ai été. T'as été. Tandis que toi, tu es un never-been. Never been. Pas mal. La répartie, c'est Manolo. On pourra pas y enlever ça. Bon, le Vindicaire, il a l'air bien. Hein. Il sert, Tu l'as oublié, non? Tu je l'as vous avais oublié? déjà, je l'avais pas mis là au début, donc il est revenu en mouvement et tout. Mais il est. Il sert à quelque chose là, Bah, il faut un mec dans pour cette tenir partie? mon objo. Et en Dans cette fait, partie, il sert à il rien. vaut 80 points. Et en fait, tu peux mettre des henchmen, là, tu sais, les petits bonhommes et tout. Mais eux, ils se font tirer Warloss. Lui, au moins, il est en Nice. OP. J'ai pas assez de points pour rentrer une Kalidus. J'aime beaucoup celui qui se TP. Il s'en va, il revient. Et en fait, lui, sa force, c'est que normalement, il touche tous à 3+, à Ouais. part Canis Rex qui touche à 2. Ouais. Et lui, il touche à 2+ quand il tire sur la cible la plus proche. Donc tu vois, D'accord. avec ce système de TP, tu te mets le plus proche du mec et il les melt à 4. Mais ça c'est une liste que tu as fait pour t'amuser, comme ça. C'est pas une liste que tu vas utiliser en tournoi ou En fait, c'est dans mon délire d'imprimer des armées et d'avoir des armées. Moi, je commence à en avoir beaucoup. Et voilà, je me suis fait une armée de cas, ça me fait délirer. Mais Et la prochaine, ça va être quoi? là, je viens d'imprimer du CSM. Ah, tu as l'autorisation? Pourquoi? J'en ai pas le droit. Ouais, T'as le droit de jouer CSM? T'as j'ai l'autorisation? imprimé du CSM. T'es Et sûr, hein? ouais, bien sûr. Tu Moi, je pourras fais les ce que jouer, je hein? veux, moi. On te le Donc, dira sur pas ce, je non. les jouais. Au pire, j'en ai les plus chez toi. Et j'aurais toujours le droit de les jouer. Je cherchais un truc, écoute des conneries, là. Et j'ai imprimé du CSM. Et je vais. Ah, donc tu l'as étudié le codex alors? Ouais, mais que j'ai regardé que Renegade, machin, tout ce qui me faisait kiffer là, le truc qui bouge vite là, les raids corsaires.
Tu peux baisser la ruine, je vois pas le, je vois pas s'il y a quelqu'un Pardon. sur le chat. Et non. Merci. Merci. On est resté sur la variance de la Queen. Ouais, la variance de la Tu l'es de Queen. Marcus, Tu le connais, Marcus, ou pas? là. T'as compris ou pas? Non, pas Non? spécialement. On s'est peut-être vu, je me rappelle plus. Là, je suis un peu fatigué en plus. Parce que, évidemment, dure semaine. Dure semaine. La semaine. Ouais. On a fait que jouer au bonhomme. Ah, j'ai fait deux parties, mais j'ai fait pas mal de vidéos, mine de rien. Mais il faut que je les travaille maintenant, que je les monte. Et puis, j'ai eu pas mal d'aller-retour à Leroy Merlin. Tu as vu pourquoi, hein? Cette putain de terrasse, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, j'ai plein de vidéos qui sont prévues le soir. Mais, En journée, tu par travailles. contre, en journée, je vais avoir du travail. Ouais. Il faut que je refasse ma terrasse. J'ai des carreaux qui se relèvent. Et donc, il va falloir que j'enlève les carreaux, que je nettoie la colle, que je recolle. Enfin, bon, je vais me faire chier. Alors, la semaine prochaine, je vais vous dire un peu ce qui va se passer, parce qu'il me semble que j'ai prévu des choses. Donc, absolument rien. C'est pas la semaine prochaine, puisque j'ai prévu de travailler sur la terrasse. C'est la semaine d'après. Le lundi soir, le 17, on va faire un live méta avec plusieurs personnes. Ah cool. Normalement, il y aura Aimé, il y aura Kuro et compagnie. Ah cool, Kuro. Le 18, donc le mardi, on fait un live Space Marine du Chaos, justement, avec. Un gars. Avec Biolix. Avec Biolix. Ouais. Ok. Et jeudi 20, le soir, on fait un live OPR sur le moteur de jeu. C'est le playoff ce week-end, non? Ouais, c'est le playoff Ouais, ce c'est le week-end. playoff ce week-end. Et donc, du coup, j'ai. Peut-être j'aurais proposé une date pour le playoff. Ce Manolo, il a du réseau, les gars. Par contre, qu'est-ce qu'on m'a répondu? J'ai pas vérifié encore. Playoff. Le mercredi 12. Donc mercredi prochain, si. En fait, la semaine prochaine, mercredi. J'ai même pas suivi qu'il y avait en playoff, moi. Si, il y a les Warp Gamers, parce qu'on a fait un scrim Il y a avec eux. Lucas qui peut pas, par contre. Par contre, j'ai Sven qui peut. Il y a Donc des on bisous, verra. j'imagine. Il y a des bisous, les Warp Gamers. Il y a quoi? Il y a le. Il y a qui d'autre, tu sais, Non, toi? ça sera plutôt le 13, le jeudi 13. Hein, Manu? Il y a Oui, qui au attends, playoff? je vérifie ça, et après je te dis. Ça sera plutôt le jeudi 13, a priori. Le jeudi 13, tu vas faire un truc Ouais. comme. Alors, tu as les Warp Gamers, Ouais. tu as les décalages parfois, Je sais pas qui c'est qui. les fuseurs lorrains. Ah, les fuseurs lorrains. Ah, mais c'est Lucas, ça. Oui, c'est Lucas. Ah, c'est bon, Tu as les ça. cuirs et moustaches de Kuro. Allez, Kuro aussi, ça y est, ils sont. Ah oui. Tu as les bisounours. Putain, mais c'est du gros niveau, tout ça. Et qui j'ai oublié, et le cartel de troll, évidemment. Ah oui. Dans le cartel de Il n'y a pas les troll. ramoleurs? Non. Non, les ramoneurs, ils ont fini second. Ah, les fuseurs, c'est Donc, cartel. tu as le cartel dans le sud-est. Dans le Ouais. sud-ouest, c'est les Warp Warp Gamer. Gamers. Dans le nord-est, c'est les décaloteurs forains. Dans le nord-ouest, c'est les cuirs et moustaches. Et qui vient de l'Ailin, c'est les bisounours. Et bisounours, allez. Putain, ça va être sanglant. Sur papier, comme ça a l'air bien relevé quand même. Hein. Oui, je pense que c'est un des. Avec le Big Four, c'est le tournoi le plus intéressant de l'année, je pense. Ah ouais? En termes de niveau de Merveilleux. jeu. Ah ouais, c'est costaud là quand même. Ça fait pas semblant. Ça fait pas semblant. C'est cool! Alors, à deux niveaux différents, évidemment, parce que quand même, le Big Four, c'est quand même les quatre meilleures équipes. Mais là, c'est les cinq, les six les cinq meilleures équipes de L2, plus une équipe de L1. Ouais. Donc, ce que je veux dire quand c'est le tournoi le plus intéressant, c'est en homogénéité de niveau a priori. Ouais, je suis assez d'accord. Le Big Four, il est intéressant pour ça aussi. Parce que Ouais. le niveau est très homogène. Mmh. Tu vois? Bon, même si les no-names, on est plus fort que les autres, mais. On verra. Ça se Ah, dit et ça se prouve sur la table. j'ai fait comme ça, j'ai fait. Enfin, quand tu dis on, toi tu arrives dans une Ouais, équipe moi qui est j'ai pas déjà fait construite, t'as grand-chose. pas fait grand Moi j'ai chose. pas Hein. fait grand-chose. Toi tu arrives et tu profites de tout Non. là. Si, moi j'ai fait des trucs quand même. J'ai servi à faire plaisir aux copains pour qu'ils aient des bons matchs. Non, mais jouer un codex de merde, jouer custo. Typiquement, tu joues custo à ce moment-là, ben t'acceptes. C'était oh ben c'était encore le bon cuistot là. Ouais, mais il gagnait plus déjà depuis un Ouais. moment, hein. Non mais là c'est bon, tu vas pouvoir prendre encore un codex majeur là, non? Je Ah sais non, pas, on c'est vrai, verra. les codex majeurs ils sont réservés, j'avais oublié. On sait pas, on verra, les choses changent, tournent, les effectifs, les trucs, ici. Alors, tu dis que t'es vraiment un, mais
Force est de constater, et c'est facile à regarder sur les pairings, etc., et qui joue quoi, que les meilleurs codex sont sur les meilleurs joueurs, et que quand tu regardes des pairings, les meilleurs codex avec les meilleurs joueurs sont toujours mis dans des matchs plus faciles. Bah, pour l'instant, tout ça, c'est tout cohérent. Les meilleurs joueurs sont ceux qui ont le potentiel de ramener le plus de points, donc c'est eux qui jouent les meilleurs. Moi, j'ai entendu un mec tout à l'heure à 9e âge qui m'expliquait que dans sa manière de faire les pairings, il essayait de jamais mettre les mecs sur des parties en rouge. C'est d'éviter les très mauvais matchs. Voilà. Voilà. Donc là, ce constat, qui n'était pas là, ce constat moi, je vois, quand je regarde la L1, et c'est de manière générale. Et c'est pas un constat uniquement contre Enonheim. Il y a d'autres équipes qui font exactement pareil. C'est ce que j'ai dit dans l'interview. C'est que, effectivement, il y a des joueurs, ils sont mis en lumière, et d'autres qui sont. Qui ramènent peut-être que ce sont peut-être les autres d'ailleurs qui ramènent les points les plus difficiles. Tu interprètes ce que j'ai dit. Non, bon, c'est ce que moi je dis. Okay. C'est-à-dire que les joueurs qui sont mis dans les pires conditions et qui ramènent des points, finalement, ce sont peut-être eux qui te font gagner une équipe parce que tu les mets dans les conditions les pires et ils arrivent quand même à te ramener des points. Les points qui font la différence. Tandis que les joueurs les plus forts avec les meilleurs codex, tu les mets sur une matrice verte, ils te ramènent entre 18 et 20 points, mais c'est normal. C'est normal, c'est pas si simple. C'est plus facile que d'être sur une matrice où tu as 2 points et tu en ramènes 5 ou 6. Je sais pas. Moi, là, je m'engage pas sur ça, c'est ce que toi tu penses. Moi, j'ai pas dit ça. Ouais, c'est ce que moi je dis, tout à fait. J'ai pas dit ça. Moi, je dis qu'il y a des façons. Faire des pairings à 40K, et je parle de manière générale de toutes les armées que j'ai vues au L1, où les scores sont très serrés. Pour moi, ça reflète le fait que on va pas forcément éviter les mauvais matchs. C'est pour ça qu'il y a des 18 dans les deux sens, en fait. Toutes les rondes que j'ai vues, il y a toujours des mecs qui prennent Les top joueurs, c'est ceux qu'on trouve. C'est ceux qu'on retrouve aussi au. Dans les solos des tournois. Oui, il a raison aussi. En même temps, les mecs qui sont en L1, c'est les mecs qui gagnent toujours, les tournois, toujours, à 90%. Toujours dans la même condition. Tu verras jamais un des meilleurs joueurs français arriver premier ou dans les premiers avec un codex moyen. Ils ont toujours les top codex du moment. C'est normal. Tout ça, c'est juste normal. En fait. Tu as des gars qui arrivent à faire des très bonnes places avec des codex un peu moins faciles quand même. Ou avec des listes qui n'ont pas été données par les copains étrangers, tu vois. Oui, bien sûr. Mais regarde, même un mec comme Sigler, il te dit, actuellement, j'ai pas joué les Votan. Je l'ai entendu la semaine dernière sur Arthur Foire. Il a dit, j'ai pas joué les Votan depuis toute la V10, tu vois. Parce que pour lui, en fait, ça pouvait pas gagner, en fait. Après, ça dépend aussi de l'environnement. Regarde, Zig, avant qu'il arrête, en Votan, il mettait des queues à tout le monde aussi, hein. Je ne sais pas s'il était dégueu à tout le monde, mais oui, il était bon. Il y a toujours le contexte de l'armée, elle n'est pas mauvaise, le mec il est bon, ben, il va battre 80% des joueurs. Lamar en Sista, alors le Sista n'est pas un mauvais codex, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est une formule à la con, mais en Sista, il est clair que Lamar se démarque très largement avec Tanker. Tous les deux en Sista, ils se démarquent sur la scène française. D'ailleurs, si dans 15 jours, toute la méta change et que la Sista revient en force et qu'il faudra un joueur Sista, y a Tanker. Il y a Tanker, c'est prévu. Mais Lamar, autant Lamar l'année dernière, on s'est tous foutu de sa gueule parce qu'il n'était pas prêt et il s'est fait déchirer. Autant cette année, il aurait été en équipe de France en Sista, c'était tout à fait normal. Il n'y avait rien à dire. Et John Lennon en Titi, ouais, effectivement. Bien sûr. Alors, c'est qui a deux Golden? Deux Golden Tickets, le gars. Bah, je pense qu'il parle de Lamar. Je sais pas. Lamar, il a gagné deux Golden Tickets. Moi, je crois qu'il y en a qu'un. Bah, zéro, il en garde qu'un, mais il en a deux. Hein. Il a gagné un tournoi en région parisienne, et là, il y en aura avoir un ce week-end, je crois. Ce week-end, il est aussi là. Il l'a pas eu, mais au Fromel, il a pas terminé. Il a fini troisième, je crois. C'est troisième qu'il a terminé? Je crois qu'il a terminé deuxième. Je sais pas. Ouais, le Fromel, c'est ça, il a terminé deuxième au Fromel. Bah, c'est comme Altef 4 qui a fait deuxième à Octopoutre et qui a gagné Carcassonne. Voilà les gars. Ouais, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, puisqu'on a encore 5 minutes. Donc il y a Games qui nous explique que dans 15 jours vont sortir les nouveaux packs de scénarios pour la saison. Avec beaucoup de changements. Et que dans la foulée.
au lieu d'attendre encore quelques mois pour avoir la nouvelle data balance et nouveaux points, on aura tout en même temps. On aura le pack de scénarios, les changements notamment sur tout ce qui est line, battle line, et on aura des nouveaux coûts en points, et on aura la nouvelle data balance. Alors j'espère qu'ils vont s'attaquer à l'orc, j'espère qu'ils vont s'attaquer au TS. GK. J'espère qu'ils vont s'attaquer au GK, et peut-être un petit peu à la GI aussi, à l'Astra. Ouais, il y a beaucoup d'indirect quand même. L'indirect, c'est chiant. C'est chiant. Mais il y a les armées qui posent problème aujourd'hui, c'est l'orc, c'est sûr. Alors il y a peut-être le côté c'est trop tôt, il faut attendre. Mais c'est de l'hypocrisie s'il se dit ça, parce que ça se voit déjà que qu'il y a un problème, quoi. Ouais. Tu vois. Le TS est complètement con dans certaines TS, conditions. Il est complètement... Et puis il n'est pas agréable à affronter, en fait. Ouais. Parce que déjà, moi je trouve, tu vois. Même le culte est complètement con. Quand tu as jamais joué TS, quand tu joues l'armée, tu peux pas te faire arnaquer par un mec qui va jouer l'armée. Mais moi, j'ai jamais joué TS. Et ben, malgré le fait qu'aujourd'hui, tu vois, je m'investis, je fais du compétitif, j'essaie de jouer en L1, machin, truc et tout, chaud. Ben, en fait, à chaque fois que je joue contre un joueur TS, je me dis, il pourrait m'arnaquer. Et en fait, je m'en rendrai pas compte. Rien, ouais. Je le verrai après coup en relisant le bouquin à la maison, enfin, tu vois, en me disant l'index. Ah ben, culte, il m'a fait ça. Culte, c'est complètement con aussi. Culte contre l'infanterie, c'est complètement con. Que j'ai l'assure ? Ouais, ça revient très fort. Ouais, ouais. Parce que les charges de démolition par 4, c'est débile. Et quand tu tues l'unité et qu'elle revient, elle a de nouveau ses charges. C'est complètement stupide. Ouais, je sais, mais j'ai joué au L1 contre un culte. C'est complètement stupide. Mais le TS, ça va être frais. Ben, le TS, en fait, il y a 2-3 leviers qui sont complètement cons. C'est j'enlève ta save complètement. En fait, il joue pas avec les bonnes mécaniques du jeu. Il te dit. Toi, avant, t'avais un sort en Eldar qui te mettait moins 1 à la save. Ouais. Bon, ben, moins 1 à la save, ça va. Ouais. Lui, il te dit. Imagine, pas de save. D'ailleurs, encore une fois, c'est cette vidéo que je regardais parce que je rejoue un peu mes Votan là. Et je regardais cette vidéo de Sigur qui dit lui, il dit que maintenant il recommence à jouer les Votan, il prend du plaisir et tout. Et il dit en fait, il espère qu'une seule chose, c'est que les TS, ils changent, il attend que le codex sorte pour qu'il change un truc et qu'il n'y aura plus cette mécanique de Devahoun et de. Ah ben il y a un mec qui te voit, du coup l'autre il est derrière le mur et il touche à 2+, full reroll, machin. Il y a ça, et puis le fait aussi qu'on divise ton mouvement par deux. Ouais. Ça, c'est quand... et ta charge par deux. Après, il y a plein. Beaucoup d'armées qui font ça malheureusement. Qui font moins de 2. Ouais. Mais pas qui divisent par 2. C'est pas la même chose. Quand tu bouges de 12 et qu'on te divise par 2, tu bouges à 6. Ouais, c'est vrai. Entre 6 et 10, ça fait une grosse différence. Ouais, ouais. Ça fait une grosse différence. Mais oui, le TS, il dit fuck au rec, quoi. Il te dit je bouge 2 fois, voire 3 fois. J'ai un mec qui te voit, il y a tout le sorcier qui tire dessus. Ça bouge beaucoup. Il te dit bah, t'as pas de save. Mais, et donc, pour finir avec Sigler a dit tu joues des forteresses. Un TS, il te claque une forteresse en une phase, quoi. C'est ça. 16 PV, t'as pas d'armure, il te les fait, hein, entre le Doombolt, les tirs, le truc, le CV, là. Alors, dans la vidéo d'OPR, il y avait beaucoup d'anciens joueurs de 40K qui disaient on retrouve la fraîcheur dans OPR, on retrouve la fraîcheur de la V3, où c'était quand même. Le jeu était moins compliqué. Alors, il y avait quand même des déséquilibres, tu vois, mais t'avais pas cette escalade à la surpuissance qu'on a connu sur la fin de la V5, en fait. À la fin de la V5, ils ont sorti le codex Necron, le codex GK. Il y a eu un up en puissance qui était hallucinant, alors que jusqu'à ce moment-là, la puissance des unités, elle restait raisonnable. Et là, tu vois, on l'a encore vu sur la partie, là, où tu as 2 figurines qui tirent, ou une seule, et tu enlèves un Lord Oscul. C'est trop. Tu vois, c'est devenu trop létal. En gros, tu le disais, toutes les armées maintenant te sortent en gros assez facilement. Moi, j'ai joué hier contre. C'est trop. J'ai joué hier contre un DG, il m'a tué en gros en une phase. En gros, le tour en gros est sorti, il tue un truc, après en une phase, il m'a tué en gros, quoi. C'est trop. Double grenade, C'est trop, c'est dommage. À un moment donné, sur la V5, ils sont plantés et ils sont allés dans la course à l'échalote sur la puissance des unités et après, sur la saturation. Et après, d'un autre côté, en fait, c'est le problème, c'est que tu dis c'est très létal, tu peux tuer, regarde, un Lord Oscul. Mais heureusement aussi, parce que sinon, tu t'amuses pas si tu joues contre un mec qui joue 3 Lord Oscul et que tu peux pas les tuer. Enfin, tu vois, il faut voir le revers de la médaille aussi. Donc, il faudrait mettre aussi un garde-fou de dire, eh ben, Lord Oscul, c'est un paramètre, parce que c'est une espèce de titan, machin, truc, tu vois. Peut-être que Lord Oscul, après, il faut revoir un petit peu aussi. Il a peut-être trop de PV, il a trop d'endurance, c'est peut-être un peu moins puissant. Vois, ça, c'est pas un souci. Tu vois, à OPR, quand tu joues GK, tu peux mettre un cuirassier Nemesis. Ça coûte 800 points sur 2000. T'en as un. Il est très costaud, il est excessivement fort, mais il vaut 800 points, tu vois.
Donc il y a des problèmes d'équilibrage dans tous les sens. Le problème de l'équilibrage aujourd'hui à 40K, c'est que c'est un équilibrage sur les points, c'est un équilibrage sur les caractéristiques, c'est un équilibrage sur la défense, c'est un équilibrage sur l'attaque. C'est trop de stratagèmes. Le stratagème, moi je trouve que depuis qu'il y a les stratagèmes, j'aime pas. Je préférais le jeu quand il n'y avait pas les stratagèmes et aussi. encore, c'est tellement plus simple maintenant, t'as 6 strata et tout, tu vois. Là maintenant, il y a, on commence à rajouter des détachements, donc il y en a plusieurs. 6 strata par détachement. Oui, mais bon, il y a un détachement, voire deux qui vont être joués par. Ouais, mais regarde, tous ces effets de jeu qui donnent plus un pour blesser, etc. Avant, tu n'avais pas dans le jeu. Tu blessais, tu avais force 9, tu blessais avec ta force 9, point. Et tu n'avais plus tous ces petits trucs qui s'ajoutaient, qui s'enlevaient, etc. On a connu des versions où tu avais des cultistes, ils te rentraient dans 10 marines et ils te lavaient les 10 marines. Parce que tu faisais un empilement de bonus et tu te retrouves avec des cultistes qui étaient surpuissants. Mais ça n'apporte rien au jeu. Tu vois. Complètement. Le Custodes, c'est le parangon de tous les guerriers. Quand tu joues un Custodes, ça doit se refléter dans le jeu. Et aujourd'hui, il y a eu des versions où le Custodes, je te dis, tu rentrais dedans avec 10 cultistes et tu l'avais 3 Custodes. Enfin, ça n'a Il pas y de a plein sens de non choses plus, qui tu vois. tuent, 5 Mais choses. après, c'est le coût en points, etc. Et les caractéristiques, elles doivent être à l'avenant. Mais dès que tu rajoutes trop de bonus de tous les côtés, ça dénature le jeu, je trouve. Et c'est ça qui était bien en V3, en V4, on en parlait sur OPR et en début de V5, c'est que le jeu et le fluff étaient malgré tout en adéquation. Alors évidemment, pas totalement, hein, évidemment, mais ça avait du sens aujourd'hui. Un peu moins, on a connu des versions, ça n'avait carrément plus de sens. Aujourd'hui, on y revient un petit peu, mais malgré tout, je trouve qu'il y a trop de matière encore superflue. Il y a trop de gras en trop là. On pourrait enlever encore pas mal de choses et rester sur un jeu très plaisant. Pour Et simplifier OPR, plus, tu veux ce qui dire. change tout, en fait, c'est le tour alterné aussi. Tu joues une unité, j'en joue une. Tu joues une unité, j'en joue une, etc., etc. Et du coup. Moi j'avais connu ça à Confrontation et à Ragnarok. C'est un mécanisme de jeu qui est différent et qui amène plus d'équilibre parce que tu vois là, à un tour, tu peux me sortir deux Lords Obscurs. Alors qu'à OPR, vu que tu alternes, ça peut pas t'arriver. Donc si tu veux, dans la baisse de les qualités de la puissance de ton armée, tu te prends le mec qui joue en premier. Par exemple, à 40K, qui commence à avoir des lignes de vue et qui commence à t'enlever un tiers, un quart de ton armée, mais toi, tu commences à jouer, tu joues déjà avec 200 ou 300 points de moins. Alors que l'autre, lui, il a toujours Ouais, tout son potentiel. bien sûr, Quand tu fais de l'alterné, tu ne peux pas avoir une baisse aussi brutale de potentiel. Là, tes deux, une fois que tout le monde est un petit peu sorti, t'enlèves de l'ordre de Skull, ben, j'ai perdu 50% de mon armée. Donc, je suis passé de 2000 points à 1000 points. Et toi, tu conserves tout ton potentiel. Ben, la partie est quasiment terminée en la fait. partie c'est Alors déjà qu'en terminé. alterné, tu vois, tu baisses, mais c'est progressif. Chacun garde un petit peu ses forces. Et suivant ce que tu actives, tu vas faire chier l'autre en même temps que tu vas essayer de te donner un bonus. Et en fait, tu te creuses les méninges sur l'alterné d'une manière totalement différente et c'est vachement rafraîchissant. En général, j'ai beaucoup plus équilibré qu'avant, mettre prendre un zéro, c'est plus rare. Ouais, je suis d'accord par rapport Ouais. à. Après, moi, je joue pas depuis longtemps, mais oui. Tu disais que tu t'es fait raser en Stormlands, tu t'es fait raser deux packs de 8 ans. Ouais, ça m'étonne pas. C'est Ah énorme, le test. Après, le GK, ça va un peu dans le même sens aussi. Hein. et après, ne vous y Bon. trompez pas, je reviens sur le je sais, je crois que c'est toi, Marcus, qui parlait aussi de gros joueurs sur les solos, etc. N'oubliez pas un truc aussi, c'est que nous, on découvre la méta au travers de. Alors, très rapidement, maintenant, grâce à Internet, grâce à BCP, etc., etc., et avec TTS, comme ça, on rentre plus vite dans la méta. Vous avez des joueurs qui créent la méta, d'autres qui en sont incapables. Hein, c'est pas une critique. Hein. Tu as des gens qui tu leur donnes une liste, ils savent très bien la jouer. Tu en as d'autres, ils savent créer des listes, mais ils ne savent pas bien les jouer, malgré tout. Bon. Et tu en as d'autres, ils savent ni créer des listes, ni ils savent bien les jouer. Tu as des joueurs qui ont des copains qui leur donnent des listes toutes faites et qui sont capables en avance, donc d'avoir la méta en avance et de jouer des listes qu'ils maîtrisent finalement, un peu avant tout le monde. Et toi, tu te prends cette liste dans la gueule, tu sais même pas que c'est la nouvelle méta qui arrive et tu te la prends dans la gueule et tu te fais défoncer. Donc, Hartung, il y a quand même.
La méta change trop vite maintenant pour qu'on se retrouve sur quelque chose de stable sur 6 mois. Tu vois, si les joueurs qui ont eu la chance d'avoir de la méta en avance il y a 3 mois, aujourd'hui ils ont des résultats un petit peu différents parce que les autres joueurs ont eu le temps de s'adapter à cette nouvelle méta, à cette nouvelle liste, etc. On parle du TS par exemple. Et dans 3 mois, peut-être que les mêmes joueurs qui gagnaient il y a 3 mois avec du TS seront incapables de finir dans les 10 premiers d'un tournoi parce que les autres joueurs se seront habitués à la nouvelle méta. Donc il y a aussi ça, le fait d'avoir un petit pas d'avance dans la méta grâce à ses propres réflexions ou grâce à ses connaissances. D'accord. Ben, c'est vrai. Sûr. Bien sûr, je pense en plus à toi. Ok, les gars. Bon, moi, patron, Imaginons que toi, ouais. tu en avais trois Le VMH, il y de avait trois qui 9e âge qui arrivaient. arrivent. Ouais. Imaginons que toi, tu l'es déjà, que tu travailles dessus. Quand le 9e âge, la V3 tombe et que vous allez faire un tournoi au bout de 15 jours, toi, tu vas arriver avec 3 mois où tu as eu le temps de la mûrir, de la tester, etc. Ouais, bien sûr. Forcément, tu vas arriver avec une liste qui sera Plus stable, abouti, stable, plus aboutie, entraîné. et tu vas faire un tournoi, tu vas défoncer tout le monde. 3 mois plus tard, tu vas reprendre la même liste. Tu vas retourner faire un tournoi, les mecs auront eu le temps de s'habituer à ta liste. Ben, il n'est pas évident que tu finisses de nouveau de premier. C'est tout le concept de quand il y a un nouveau codex qui sort. C'est ça. Là, tu vois, un codex qui sort, ben, les mecs qui peuvent tryhard, ils ont déjà fait 10 parties quand ils arrivent au tournoi. Toi, t'as pas joué une seule fois contre, ben, C'est tu peux ça. ouvrir tout le week-end. C'est Et ça. puis au tournoi d'après, ben, tu sais comment il faut jouer, quoi. C'est ça. Ça. Mais bon, on en revient à un truc important, c'est s'entraîner et jouer, ça reste la clé, quoi. Ah ben, Connaître les match-up. surtout dans les dernières versions à Ouais. 40K, Ouais. c'est vrai qu'en V3, V4, Peux pas jouer on juste sur pouvait ton. jouer sur le niveau de Capitaliser jeu. sur ton niveau de jeu, en Voilà, fait, c'est avant pas on vrai. pouvait, maintenant on peut plus. C'est clair, clairement, c'est plus le cas. Ce sont des versions qui demandent énormément de travail. Et là, on tombe dans des profils. Alors toi, tu es dans un profil un petit peu différent, mais tu avais un travail qui te permettait de beaucoup t'investir dans le jeu. Mais aujourd'hui, les étudiants, les chômeurs, les célibataires, etc., ceux qui ont du temps à mettre dans le jeu en dehors de leur journée de travail, qui ont encore de l'énergie, donc qui sont jeunes, et qui ont l'énergie pour le faire, ben, ce sont ceux que tu retrouves à 90% dans les top players mondiaux. Maintenant, je ne pense pas que tu trouves des mecs qui travaillent 12 heures par jour avec 3 gosses, une femme, une pension à payer, Oui, bien sûr. etc. Tu C'est sûr. retrouves pas ces profils dans les meilleurs joueurs maintenant. Tu retrouves des étudiants, des mecs Après, qui ont que ça à c'est foutre, pas quoi. vrai que pour 40 000, c'est vrai dans Oui, tout. oui, C'est oui, vrai dans. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux être un top player, bah, si t'es pas dans cette configuration-là, c'est complicado quand même. Ouais. Tu peux, hein, évidemment, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu t'investis pas, tu peux pas gagner. Après, c'est plutôt une Bon, bonne ben, c'est chose. clair. Après, C'est. Ouais. Bon, il faut que je m'en aille, patron. ben, casse-toi. Tu continues à tourner, toi? Non, Non? je vais arrêter. Merci de nous avoir suivis, les gars. Et puis, comme je vous disais, ben, on se retrouve jeudi, je pense, pour le PO, pour le débrief du PO. Merci à tout le monde, ça m'a fait passer plaisir de passer sur la chaîne, ça faisait longtemps. Puis d'entendre mon petit Manolo râler, ça fait du bien quand même. Allez, ciao, ciao.